Our matches against CLG always come down to one small thing. If you look back through a lot of the TSM versus CLG series, you'll see that it usually comes down to crazy fights. Some people run and they hide. Some people stay and they fight. In the finals, season 5, summer split. When Double was on the team, the rest of our team made a mistake. They all died. Me and Afro pulled off like a 2v4 or 2v5. I think my most memorable play against CLG would probably be my Karma pentakill. Closes the game out with a pentakill, are you kidding me? In season 6, spring, the finals was decided by one team fight. Most of the time, it always results in a bloodbath. It takes a toll during the series because it's very intense. At the beginning of the split, they got Baron, they won a team fight, and all hope is looking lost for us. And then Afro just makes a clutch recon play. We're about to end the game, and then just because we didn't defend our wave, we just lost the game. And TSM going coast to coast for the win. Coming to the end of the season, like, it's going to be some intense close games again. It's definitely our most important match of the year, and it's also the last match of the season. I already know what they're gonna do. They already know what we're gonna do. It'll be a game of inches. Messieurs, dames, pour lancer le coup d'envoi de cette dernière journée de la saison régulière des LCS NA. Voilà, ces 9 semaines de larmes, de NA Shore, de Quadrakill et de Skill arrivent à leur conclusion avec en échauffement bien sûr Echo Fox face à Cloud9 et on terminera cette saison en beauté puisque TSM devra faire face à CLG Gardoum. C'est un beau classico justement, c'est-à-dire que cette semaine on a eu beaucoup de matchs comme ça. On a eu en LCK le SKT Katie, on a eu le Longzhu Samsung, on a le CLG TSM pour terminer. Je pense vraiment que cette fin de split, c'est une très belle fin de split parce qu'elle raconte une histoire. Durant ce split, peu importe les régions, il y a eu des grosses équipes partout, le niveau de jeu s'est élevé, mais à un niveau incroyable. Et on a vu au Rift Rivals que les NA étaient meilleurs que le U. Est-ce que le U vont se réveiller pour les Worlds? Enfin, tu vois, c'est la première fois, je crois, que je suis autant hypé par des Worlds depuis la saison 3. Eh ben écoute, bon à savoir, effectivement, ces Worlds vont être super intéressants et pour l'œil, il va falloir se réveiller s'il veut arriver à ravir la couronne des NA qui, pour l'instant, est bien portée par des TSM qui ont complètement étrié l'Europe sur ce Rift Rivals. Et maintenant, bah, on va essayer de savoir qui ira en playoff, qui sera capable d'aller ravir ce cash prize, d'aller ravir cette couronne et d'aller ravir ce spot pour les Worlds également, puisque au niveau des points, ça avance. Hein, on vous rappelle, petit... voilà, l'infographie qui vient juste de passer. Petit rappel, au niveau des points actuellement, c'est TSM qui est leader en NA avec 130 points d'assuré, 90 sur le Spring, 40 de validé pour le Summer et après on verra ce que ça donnera au niveau du résultat des playoffs. Cloud9 en deuxième position avec 90, après bon, P1 à 50 mais P1 ne pourra pas gagner plus de points que ça donc normalement il ne devrait pas pouvoir avancer dans la compétition. IMT a validé pour sûr un minimum de 40 points sur ce Summer, sachant qu'ils n'ont rien accumulé pour le Spring donc il va falloir en fait absolument arriver dans le... Allez, dans le carré, dans le top 2, je dirais, sur ces playoffs. Obligatoirement, en fait, TSM et Cloud9 vont au Worlds. Obligatoirement, parce que ouais. dans le pire des cas, Cloud9 ont 90 points. Dans le pire des cas, TSM ont 130. Là où les autres équipes, le mieux qu'elles puissent faire, c'est CLG et Dignitas peuvent atteindre les 100 points.
mais c'est tout quoi. Immortal, ils feront 90 maximum. Du ouais. coup, TSM et ouais, TSM c'est assuré qu'ils sont Worlds parce que aucune team peut passer devant. Bah TSM Cloud9 ouais, effectivement. Et Cloud9 par contre, ils sont à 20 points, mais vu que CLG et Dignitas peuvent passer à 100 points, globalement quoi qu'il y aura 3 teams potentiellement. Du coup, ouais, c'est ça va être super serré. Enfin, il y a beaucoup de conjectures possibles. De toute façon, on en parlera sur les pré-shows des playoffs dans tous les cas, mais ouais, ce troisième slot va être très disputé entre IMT, CLG et Dignitas. Honnêtement, alors c'est vrai que en fait Cloud9 ils arrivent un peu comme une anomalie entre guillemets sur ce Summer Split, parce que le top 3 on l'a vu depuis le début de la saison quasiment, il s'est dessiné assez rapidement avec CLG, IMT et TSM, et Cloud9 ils sont passés par le milieu de tableau, alors ils sont en train de remonter maintenant et c'est vrai que les stats montrent qu'ils méritent, mais on s'attendait vraiment à voir ce trio TSM, CLG aller aux Worlds. Maintenant bien pour CLG et pour IMT c'est pas encore validé. Pour le coup ce soir il faudra vraiment tout donner pour Afromo et compagnie. Il va falloir tout donner pour Afromo et compagnie, mais tu vois mon cœur là va à TSM ce soir. C'est forcément, il y a un moment, il faut être fanboy et t'es fanboy jusqu'au bout des teams de fanboy. Ouais. T'es fanboy Fnatic, t'es fanboy TSM et t'es fanboy de Echo Fox. Ah mais d'ailleurs, je t'attends toujours avec une veste TSM ou Echo Fox, Gardo. 2,5 millions et toujours pas de veste TSM. Ouais, j'avoue, il va falloir réfléchir sur ça. Bon, pour reparler rapidement du premier match de la soirée, parce qu'on a quand même Cloud9 contre Echo Fox. Et ça peut être sympa comme match, vraiment. Notamment le match-up mid lane, ça va être le truc sympathique. Parce que le reste, sur les autres lanes, on l'a dit. C'est-à-dire que t'as C9 qui sont très bons, t'as Echo Fox en dessous, clairement. Et il n'y a que la mid lane où tu peux te dire, il y a un truc qui peut être amusant. On a eu Froggen hier soir qui a sorti un talon avec lequel il a fait une game tout à fait respectable face à Immortals. Ah oui, il a ouvert en deux olé. Hein. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup. En ce moment, on voit beaucoup de support utilitaire, beaucoup de Karma. Lulu, de Jana, des Karyadés qui vont scale et des Karyadés qui sont souvent fragiles. Hein. Il y a beaucoup de Kog'Maw qui reviennent. On a pu voir du Twitch du côté de Codison. Enfin, c'est des champions qui sont assez sensibles à des assassins. Et c'est vrai que vu le playstyle d'Echo Fox et vu l'effectif qu'il présente, ne pas mettre Froggen sur un pick playmaker, pour moi, serait une grosse erreur. Ne pas mettre Froggen du tout serait encore pire. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on a déjà vu, c'est Diamante. Diamante, ouais. Diamante, pardon. Mais il joue pas mal, Diamante, hein. Honnêtement. Bah. Il n'est pas au niveau de Froggen. C'est ça, c'est le problème, c'est que t'as joué pas mal et t'as joué bien pour essayer de soulever une team qui joue mal. Mmh. Et le problème, c'est que Diamante est au niveau de Brandini, il est au niveau de Grieg, etc. Je le mettrais un petit peu au-dessus quand même. Puisque Brandini, c'est quand même c'est un sacré fond de panier hein, pour le coup. Mais tu vois, les Fox, c'est ça qui m'embête. C'est-à-dire que vu qu'ils savent qu'ils sont en vacances, ils ne jouent plus pour gagner. Et c'est à la fois. C'est pour ça que le système de franchise en NA, il a l'avantage de pouvoir permettre d'émerger des talents. Mmh. Parce que justement, les teams vont se dire, ok, on a payé nos 10 millions, on a notre slot, et on peut se dire, voilà, ce joueur-là, on sent qu'il y a du potentiel, on va perdre un split, on va perdre deux splits, mais au troisième split, on va avoir une team de ouf avec des joueurs que vous n'attendiez pas. Donc, le problème, c'est que ça veut aussi dire que chaque split, tu sais que tu vas pas les jouer à fond pour gagner, pour avoir la première place de chaque split. C'est vrai. Et il y a l'avantage de pouvoir faire émerger des joueurs, et il y a l'inconvénient de se dire, eux, ils jouent pas pour gagner, ils jouent pour former des joueurs. Et du coup, je me demande s'il n'y aura pas certaines équipes qui vont se dire, on forme des joueurs, on les revend plus cher, ils vont faire leur business comme ça. Enfin, on ne sait pas exactement comment ça va évoluer, parce que si 4 structures européennes sont aussi intéressées par le système de franchise NA, c'est pas pour rien non plus. Ça veut aussi dire que c'est rentable financièrement. Ouais. Et ça, c'est important à prendre en compte, c'est est-ce que ça va justement booster l'e-sport tel qu'on le connaît, booster la hype, booster les victoires et les équipes qui veulent gagner. Actuellement, une équipe qui veut gagner, Immortals, TSM, on a les Dignitas, enfin tout ça, t'as des équipes ultra chaudes. Donc est-ce que ça va booster tout ça ou est-ce que ça va un petit peu aseptiser toute la chose? Et c'est une question qu'on peut se poser actuellement parce que c'est à la fois bénéfique pour le milieu, pour pérenniser le métier, pour que les joueurs, les marques, les sponsors se disent ok, là-dessus on a notre truc, donc pour vraiment que l'e-sport devienne un travail à part entière, sécuritaire pour l'avenir, mais à la fois tu peux te dire est-ce que toute cette sécurité va pas un petit peu justement calmer la hype, calmer le feu qui brûle dans les joueurs pour qui veulent toujours faire plus? J'aurais tendance à te dire non, pour une simple raison, c'est que le niveau a énormément augmenté au niveau de la scène NA. C'était dit en interview, c'était Doublelift, il me semble, qui s'était exprimé dessus dans la semaine. Et on l'a ressenti, on le ressent déjà en fait depuis 2016 à peu près, cette montée en puissance. Sur le Spring Split précédent, je trouve que c'était assez flagrant. Et sur le Summer, ça l'est encore plus. Et on le voit bien, aujourd'hui, les équipes avec des gros effectifs, avec des gros joueurs bankable, mais qui n'ont pas de synergie, qui n'ont pas un coaching staff efficace et qui n'ont pas un team play vraiment poussé, ne performent pas. Donc le fait de partir dans une optique de former des joueurs pour les revendre après, bon déjà c'est le joueur qui est censé être gagnant sur ce genre d'opération, mais surtout en fait ça marchera pas si t'es pas vraiment dans une optique d'arriver à former un groupe. Et pour preuve, hein, Team Liquid, ils ont beau faire venir des joueurs, des rockstars de Corée, ça fonctionne pas. P1, c'est pareil. FlyQuest, c'est un cas à part.
on va les sortir de ça. Mais Echo Fox, c'est le même principe. Echo Fox, c'est beaucoup de stars stars d'outre-temps. Froggen, Looper, Acadian même, qui était très très chaud sur ce Spring Split, qui l'est beaucoup moins maintenant. Donc dans tous les cas, ce qui aujourd'hui fait que ça fonctionne dans League of Legends, c'est cette faculté à évoluer comme un seul joueur à 5. Pour les teams qui veulent gagner. C'est... Mais après, à voir. Moi, j'ai hâte parce que je pense que vraiment, s'il y a autant de choses intéressées, ça peut évoluer beaucoup. LoL est un jeu qui est en constante évolution. Il existe depuis maintenant 7 ans, enfin 7 ans à niveau compétitif. Et le jeu n'a pas arrêté de changer, d'évoluer, de toujours step up en termes de spectacle. Donc, je pense qu'on va rester dans cette lancée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je sais pas si vous avez remarqué les stats des midlaners. On avait globalement, je crois, Froggen qui était premier en dégâts, Yensen deuxième. Les trois autres stats, Yensen était premier, Froggen deuxième. Donc là, objectivement, statistiquement parlant, on est avec les deux meilleurs millénaires années, si on parle juste en stats. Statistiquement parlant, voilà, ouais. Statistiquement parlant. Même si on sait très bien qu'on ne peut pas jeter Bjergsen, enfin qu'il y a plein. Que Pobelter actuellement est aussi une valeur ultra sûre DNA. Mais voilà, juste pour les stats, c'est assez amusant de voir comme ça. Ces deux joueurs, ça va être un choc des titans sur la mid lane. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir. Est-ce qu'ils vont oser sortir des Xerath? Est-ce qu'ils vont oser sortir des Azir? Les deux ont été up sur ce patch. Ce soir, pour moi, c'est la soirée de la hype, vraiment. Clairement. Et on est parti, du coup, dans cette première phase de draft. Cloud9 en blue side, Echo Fox en red. Forcément, ban Caitlyn, le Zac et la Alice devraient probablement suivre. Maintenant, côté Cloud9, on a l'embarras du choix. Donc, focus sur Froggen avec le Leblanc. Quelque chose qu'on voit beaucoup hein, face aux très gros millénaire playmakers. Le Gragas, également, qui reste l'un des pics refuge de Brandini. On a pu le voir hier. La Alice, dont on s'en doutait, côté Echo Fox. Maintenant, côté Cloud9, quel choix pour ce troisième ban? Il y a la Syndra qui est toujours disponible, que tu généralement tu cherches à retirer, parce qu'il y a souvent des first pick Kalista qui sont faits en ce moment à partir du moment où le Zac est ban. Par contre, attention, est-ce qu'ils vont ban le Zac? Oh, c'est vrai que le Lucian de Froggen est pas mal. Il y a aussi Faker en ce moment qui joue beaucoup Lucian et qui a un monstre dessus. Après, voilà, tous les midlaners un petit peu playmaker comme ça aiment beaucoup le pick. Et il n'y a pas de Zac de ban. Il n'y a pas le respect du Zac. Est-ce que Contrax va se dire, ok, on prend le Zac comme ça, on a des gros teamfights? Où est-ce qu'il va nous sortir son fameux Kayn? Parce que le Kayn de Contrax, actuellement, ça reste quand même un champion sur lequel il est plutôt vachement performant. Il en avait parlé en interview, comme quoi ça permettait beaucoup les invades et c'était quelque chose qui lui plaisait de pouvoir avoir ce playstyle très agressif. Ouais, clairement, c'est le jungler qu'il a le plus joué depuis ce début du Summer Split. Et c'est vrai qu'il avait vraiment une science dessus, c'était pas mal exprimé dessus en interview, en parlant notamment de sa bonne faculté d'invade. Et on rappelle que le champion a été EP sur 7.15, sur les dégâts de l'ulti, en forme de assassin. T'es sûr que c'est en forme de Shadow? Ouais, c'est en forme de Shadow justement où il a été. J'ai un petit doute là-dessus. Et en forme non-forme en fait. Le ratio était passé de 1,1 à 1,5, je crois. C'est ça. C'est en face du coup de Gate qui va officier sur le Broom. Est-ce qu'on aurait peut-être Brandini sur un Jax? Jax qui reste un pick. Globalement, voilà, même si tu perds ta lane, tu vas scale, tu sais que le Jax, c'est une assurance d'efficacité à un moment. Tu sais pas quand, mais tu sais qu'il va être efficace. Et finalement, ce sera une Rek'Sai dans les mains d'Acadian. Le Rek'Sai, ouais, valeur sûre, un jungle qui peut mettre de la pression au début de game. Et ce Broom, on en a pas mal parlé avec Nono hier. Et c'est assez fou la différence de présence pour Broom entre la méta EU et la méta NA. Puisqu'en NA, c'est le quatrième support le plus contesté. Là où en EU, c'est une présence de 83%. C'est omniprésent en fait. Et on en voit de plus en plus pop, notamment avec des compositions d'équipe avec double ADC, un en mid lane et un en rôle d'ADC classique en fait. Ce qui permet d'avoir des stuns très rapidement et surtout en fait ça permet de le deny puisque le contre, au meilleur contre double ADC, c'est généralement le fait de prendre une porte de la montagne. Donc c'est une valeur sûre qu'a choisi Echo Fox là-dessus. Je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont le comboter parce que bah, le Lucian est ban. Alors Corki est disponible par contre. Il y a Corki qui est disponible pour la mid lane potentiellement. Après t'as la Kalista qui est déjà très forte sur la phase de lane face à une... Face à Tristana, Kalista, ça marche bien parce que l'early game de Tristana est pas incroyable. T'as autant de range qu'une Kalista et on l'a vu tout à l'heure dans Challenger Series. Il y a pas mal de destructions comme ça. Ouais, le Pugmo est aussi très fort effectivement face à Tristana. Le Pugmo, il est là. Par contre, j'ai bien aimé le pré-pick Vega. Tu vois, le pré-pick Vega, c'est quelque chose qui venant des Fox sur la mid lane me surprendrait pas d'avoir Vega. Oui, Froggen sur Vega. On demande que ça fasse un Jarvan. Ça serait trop bien. Il me semble un excellent choix de Pokémon. Je serais même pas inquiet pour lui. Même pas inquiet. Même pas inquiet. Gardeau. C'est, j'ai une telle croyance tu vois dans Froggen, c'est pas de la croyance, ça c'est vraiment... Si expérimenté pourtant si innocent. Allez le Bantaric, Bantaric. Oui Bantaric face à Cloud9. On a pas mal parlé hein, c'est Taric qui revient beaucoup. L'Acacio contre Froggen. Alors ça c'est quand même un pick un peu plus original. On préfère même l'Acacio que la... Alors la Talia était déjà pick mais que la Syndra ou la Orianna d'ailleurs.
Orianna qui est excellente en synergie avec un personnage comme Kog, bien sûr. Oui, effectivement, t'as toujours un bon backup. C'est pas une indécentrique complète, mais ça fait un bon backup, effectivement, Kog'Maw. En plus de ça, tu as les engages qui sont potentiellement simples avec la Rek'Sai. Donc, attention, du coup, à ce pick Orianna potentiel sur Fugun. Même si, voilà, Syndra face à Talia, ça pourrait être aussi une bonne réponse, notamment pour mettre tellement de pression à Yensen que ce dernier aurait peut-être pas l'occasion de décaler. Ce sera Trundle qui va être retiré. Oh, attention, Cho'Gath. Attention, Cho'Gath qui est disponible. Ouais. Et Merdinger. Alors, le Donger, faut savoir qu'il a été joué par Magi Félix en Challenger Series il y a 2 ou 3 semaines, je crois, en Europe. Mais c'est tout. On n'a pas vu des Merdinger. Non, effectivement. On a vu les Merdinger de Nono en Gang Dive et Tradition, qui a vraiment vendu du rêve. Effectivement. On a gagné, hein. Et il s'est donné du mal, c'est quand même 13 morts, je crois qu'il nous fait, à la fin de la partie. Ouais, mais c'est, voilà, c'est une référence, hein, vraiment, si vous voulez tryhard Emmerdinger, allez regarder le replay, ça vaut le coup. Et ce sera un chaîne, donc c'est une compo adécentrique. Et alors là, du coup, la Orianna est toujours dispo, et côté Clone 9, n'a aucun moyen de la deny maintenant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on décide d'accumuler de la frontline avec ce Galio? C'est un Galio top du coup et un Jarvan jungle. Ouais, Galio top après face à un Shen, c'est correct parce que Shen a quand même beaucoup de dégâts magiques avec la lame Vorpal. Tu stuff de l'armure pour gérer la Rek'Sai et le Shen. Et ça fonctionne plutôt bien et du coup il reste le support à prendre. Qu'est-ce qu'on a disponible? Il y a Alistar, Alistar qui est un support qui revient beaucoup. Lulu, effectivement. Là il faudrait une Lulu en fait. Je pense qu'il faut vraiment du stéroïde de dégâts parce que cette Tristana va avoir beaucoup de mal à arriver à ouvrir une frontline avec autant de mécaniques de contre à l'auto-attaque entre la porte de la montagne. La zone anti-auto-attaque du Shen plus tes shields, et ce sera un Alistar. Bon, c'est un choix qui se légitime aussi dans une optique un peu dans le playstyle IMT qu'on avait pu voir dernièrement, à savoir très agressif, on va chercher du dive, on n'hésite pas vraiment à envoyer des frontlines super loin dans la backline adverse. Le problème c'est est-ce qu'on va avoir les dégâts derrière? Parce qu'une Talia, ça DPS bien sur le temps certes, ça a un petit burst avec la poussée sismique, mais on n'est pas sur une Syndra qui enlève une demi-barre de points de vie avec un spell. Sachant qu'on a un double ADC en phase dont on parlait tout à l'heure avec le Brome, honnêtement la draft EcoFox sont très très bien. La draft EcoFox est excessivement bonne en effet. Pour le coup c'est un truc qui est tout à fait cohérent, ça contre bien la draft adverse. Ils ont de quoi gérer notamment les ganks, etc. J'aime bien la draft des Fox, j'espère qu'ils vont réussir à la faire performer. Après côté Cloud9, c'est ce que j'appelle une draft de bourrin. C'est-à-dire que t'as l'engage de Jarvan, into entrée héroïque de la part de Galio, into headbutt pulvérise de Alistar. Bon, globalement, c'est sale, hein. Tu packs les mecs dans une grosse zone et tu frappes. C'est exactement ça. Et avec la Talia, il y a complètement moyen d'arriver à mettre en place ce genre de setup. Maintenant, une fois de plus, la question pour moi, c'est les dégâts. Est-ce qu'on va en avoir suffisamment? Ça m'étonnerait pas d'ailleurs de voir un Galio partir avec une optimisation un peu hybride, un peu une espèce de bruiseur comme on avait pu le voir avec un abyssal, avec un camp de légivrant, avec voilà, ce genre d'item qui va avoir la double utilité de pouvoir assurer une grosse frontline mais en même temps apporter un petit peu plus de dégâts. Parce que la Tristana, tant qu'elle n'a pas au moins 2 items, voire 2 items et demi, tu peux pas vraiment te reposer sur elle. Si ça crit, très bien, mais ça crit pas, clairement c'est pas un chaîne que ça va inquiéter, ni un Brome. La Talia, c'est un peu le même principe, sachant qu'on voit beaucoup de Talia qui n'hésite pas à rusher un Banshee Veil et qui pourrait être un choix très intéressant, ce qui est quand même pas mal de contrôle en face. Donc, avoir également l'early game de Contrax. C'est vrai que Contrax, c'est une grosse responsabilité en termes d'apport de dégâts. Alors, est-ce qu'on va être sur un Jarvan Cinderel? Qu'est-ce qu'on va être sur un Jarvan Warrior? On va voir. Ouais, je suis un peu curieux. Le Jarvan Warrior me paraît bien. Moi, j'aime beaucoup dans l'idée où, surtout que là, t'as un Galio top, tu vas avoir besoin de ses dégâts. Prendre un Jarvan qui serait trop tanky, ce serait peut-être ne pas respecter le pick Jarvan et ne pas l'utiliser à son plein potentiel. Premier Drake, ça va être un dragon des montagnes élite pour assurer après pas mal d'objectifs de tourelle. Et Smoothie a pris le fameux skin Alistar, le skin musical, la fameuse cloche de vache. Tu ne peux certes pas traire Alistar, mais tu peux faire de la musique tu avec. Tu peux lui sonner les cloches, clairement. Et on est parti du coup. Alors attends, sur le côté EcoFox, on sait pas qui est sur stop side. On veut aller chercher Impact, j'ai l'impression. On voit beaucoup de top laners qui vont aller faire des invades un peu ballsy parfois au niveau de ce tribush. Et on se positionne à A5 au niveau de cette top lane. Alors Brandini qui va bait forcément. Est-ce que du côté d'Impact on va faire l'erreur de s'avancer? Oh, ils vont tous dans ce buisson. Le truc c'est que Brandini n'est pas censé avancer hein, en théorie. Voilà, il y a le recall de la duo lane des Fox. Mash gate face à Sneaky Smoothie. Juste en donnant les pseudos en fait. Après j'espère être agréablement surpris parce que les Fox c'est une team qui de tout temps a toujours réussi à créer la surprise. Au split précédent par exemple ils ont mis à 2-0 à TSM alors que TSM était en train de détruire toutes les équipes. C'est vrai. Voilà, il y a toujours un moment où les Fox ils vont te surprendre et tu te dis pourquoi ils jouent pas tout le temps comme ça. Et la game suivante ils vont peut-être puer, mais c'est un peu la team amusante les Fox, c'est la team du divertissement. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. À part un Frogun qui généralement est bon. Ouais c'est ça, c'est un Frogun explosif et après on prie pour que ça follow up bien.
Après, là, on est sur des pics sur lesquels c'est dur de passer à côté. Hein. Je pense du côté de Brandini, son chêne, bon, c'est dur de rater ta game dessus. Akkadian sur Rek'Sai, c'est un peu pareil. Et d'ailleurs, Akkadian qui hésite à starter Raptor, là, on perd un petit peu de temps. Pour l'instant, là, en crossmap, il contre Axe qui va starter au Red Buff avec son Jarvan Thunderlord hein, qu'on a l'habitude de voir maintenant. C'est censé être dur aussi de rater sa game avec Gragas. Et hier soir, Brandini. C'est plus compliqué, je trouve. Ultimate. C'est. T'as quand même. Enfin, sur Gragas, t'as du skill shot qui sont pas faciles à mettre en place. Hein. Le coup de bidon flashé, l'ulti. Ben, un Stay United restera toujours un Stay United. Effectivement. Non, effectivement, vu comme ça. Tu vois, c'est comme un Maokai. Un Maokai, tu peux pas vraiment passer à côté de ta game. Ou alors c'est que ta touche Z ne fonctionne pas, tu vois. C'est ça. T'as toujours, effectivement, sur ces personnages, t'as toujours une touche au moins qui va permettre d'être utile à ta team, même si t'es pas bon. Oh là là, Impact qui agresse. Et pendant ce temps-là, au niveau du bot, Sneaky qui se fait un peu baver dessus là. Brandini qui va répondre. Et oui, la lame Vorpal, ça gratte. La poignée immortelle également. Le choix de Colossus là pour Impact qui est un peu dommageable. Le niveau 2, mais pas assez d'énergie pour claquer le taunt là. Pour Brandini. Impact qui va devoir rester sur la défensive. Après, bon, c'est un match-up tank-tank et on risque pas grand-chose. Et attention! Attention à contract dans cette rivière topside. Là pour le coup il y a peut-être moyen d'arriver à trouver quelque chose. Il n'y a plus de taunt pour Brandini, ça manque du niveau 2 quand même pour Impact là. Il manque un petit sbire. Et ça va arriver pensant à la contract. Tu l'as dit qui arrive sur la top lane. Oh Brandini. Oh Brandini, tu sens ce qu'il va se prendre là. Impact, est-ce qu'il a pris le. Il avait le Justice Punch au niveau 1 pour l'instant. Oh contract, il arrive dans le dos là, Brandini. Brandini qui se prend le smash. Brandini qui va prendre les dégâts, il y a le niveau 3. L'anti-auto-attaque, attention à Impact, qui est dans le rouge. Le taunt de flasher, Brandini. Il l'a fait. Qui a fait. Mais quel génie. Oh. Et dire que je venais de lui cracher dessus à ce génie. Je vais lui voir un culte maintenant. Incroyable. Ah mais c'est juste ouf sur le gant comment il a réussi à gérer en fait, il a eu beaucoup de sang froid. Il a pris le trade, il a mis beaucoup de dégâts Impact. Et ensuite ce taunt flashé qui permet d'aller juste gratter les derniers HP restants d'Impact avec la petite auto-attaque. Meurt l'arbin. Ah il les a ouverts. Bon et eh ben, écoute on a un nouveau god dans la top lane pour le moment. Brandini qui vient défendre en plus ses Krug là. Allez, il prend. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma top lane mec. Et ouais, j'ai une lame Vorpal, attention Impact qui décale quand même là au niveau de la mid lane, le décalage à 3. Jensen qui n'a pas de purge. Par contre, Rogan il est un peu loin là. L'idée est pas mauvaise d'Akanian Gate, par contre la réalisation est un peu moins bonne. Faut faire attention à ne pas le smash trop longtemps tout seul. Et là surtout, on a donné l'information d'où était le juggler du côté des Fox. Ce qui est un petit peu dommageable malheureusement, mais sur la top lane, voilà Brandini qui effectivement actuellement nous a agréablement surpris. J'espère en voir plus du joueur. On va revoir le move. Si je me fais gank, pas de soucis, je prends le trade. Il va passer niveau 3 d'ailleurs, voilà. Il passe niveau 3 maintenant, Brandini, et là, le taunt flashé. Oh il a. C'est un outplay en bonne et due forme. Hein. Là-dessus, il y a rien à dire. C'est extrêmement convaincant ce qui vient de sortir. Et ça rassure par rapport à ce qui nous a sorti pour le coup hier, qui était beaucoup moins brillant. Ah ouais. Et là pour le coup, Impact qui se fait un peu calmer. Hein. Qui va souffrir, sachant que je pense pas que le match-up Galio prenne vraiment l'avantage à un moment donné. Non, normalement pas. Y a pas. Tu pourras même pas prendre le push parce que le Shen va faire le Tiamat. Par contre, pourquoi Akkadian n'a plus de flash? C'est une excellente question, Gardoum. On n'a pas eu l'info. Non, c'est. Ou alors je l'ai raté. Non, c'est pas arrivé à l'écran, je crois. Je viens de le voir. Et alors, reste à voir ce qu'a fait le joueur. Effectivement, il devait avoir un fail quelque part ou une tentative. En tout cas, qui n'a pas abouti à grand chose, sachant qu'on a toujours tous les flashs du côté des Cloud9. À part Smoothie. On a part Smoothie. Peut-être un gang bot hein, qu'on a pu rater. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça reste un début de partie. Relativement sur un pied d'égalité là entre ces deux équipes, si ce n'est bah, forcément ce first blood pour Brandini qui fait la légère différence de goal entre les deux teams. Pour l'instant on farm forcément deux carry AD avec une grosse priorité sur le late game. On a besoin de les laisser monter en puissance sur la mid lane. C'est un match-up qui se nullifie à mesure où on a un summoner défensif des deux côtés. Reste au jungle de faire la différence. Et pour l'instant bah, Contrax avec ce gank investi topside pour rien, bah il doit retourner farmer dans sa jungle. Il a perdu double buff. Donc on n'est pas sur un vrai timing très agressif pour et non, là où finalement du côté d'Akkadian, alors il y a eu le gank bot après un vu qui n'a pas fonctionné hein, ce gank que nous n'avons pas vu. Mais il a perdu beaucoup moins de temps finalement. Quand le jungler adverse perd du temps sur une lane, c'est toujours très bon pour toi. Et pourtant Contrax qui arrive sans souci à prendre un level d'avance par rapport à son vis-à-vis, c'est compensé directement avec la fin du groupe. Donc voilà, à côté des deux junglers, ça se tire la bourre mais ça se tient. Pour le moment, on a un Jarvan avec le couteau du pisteur. On sait pas encore s'il va faire le Warrior ou le Cinderhulk. J'ai vraiment espoir pour le Warrior quand même. Enfin t'as le Thunderlord et tout, il y a ouais, un je moment, pense qu'il faudrait. Bah après les 100% des Jarvan qui jouent Thunderlord font Cinderhulk actuellement. T'es face à un Kog'Maw, t'imagines comment tu dunk le Kog'Maw. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Puis on en a pas mal parlé hein, de la répartition des dégâts. Sachant qu'on fait un choix de Morello hein, quand même du côté de Jensen.
qui je pense est un choix complètement légit là-dessus. Le Banshee aurait été vraiment un gros problème. Et attention, contre Axa qui pourrait tomber nez à nez avec une Rek'Sai, le Raptor, le Crow qui va rester Smite, pas de problème. On va répartir les golds. Et on attend le niveau 6 avec impatience contre Axa qui en est encore un petit peu loin. Il devrait pouvoir en bénéficier sur le timing de rip-up de son Red Buff. Et après, du coup, à voir où est-ce qu'il va les ganker. Parce que pour l'instant, les seuls flash down chez Echo Fox, c'est sur les frontliners. Donc c'est pas vraiment un angle d'attaque que t'as vraiment envie d'utiliser avec ton Jarvan. Non, malheureusement pas pour lui effectivement. Après au niveau de la botlane, par contre, quand il y aura le niveau 6 notamment de Sneak et de Smoothie, Contrax aura moyen d'être destructeur par rapport à Mash. Puisque même si Mash flash out à un moment le cataclysme, globalement il y a tellement de CC que peut apporter le Jarvan que ce sera même pas un problème finalement pour normalement prendre un kill. En tout cas côté Fox, pour moi il y a une petite avance au niveau des golds. Sur la mid lane, Froggen, Brillance en premier. Donc globalement, ça se passe bien, mais bon, on est à 7 minutes de jeu, on sait que rien n'est joué. Non, effectivement, une pack qui repart en topside, Catalyst first, donc probablement un Abyssal en préparation sur un Brandini qui lui stack de l'ARM, pas de rush du Tiamat. J'aurais aimé voir ce chaîne voilà, profiter de son avance, partir sur un Tiamat tôt, vraiment mettre beaucoup de pression sur Impact, et pourquoi pas essayer de snowball, puisque bon, le chaîne Hydre Titanesque first, on a tendance à le sous-estimer, mais c'est quand même une énorme phase de burst et on voit là pour l'instant Brandini qui arrive à encaisser dans tous les cas. On a la régène, on a de la tenue de lane. Il va surtout être là pour appliquer un Stay United qui du coup en fait va se matcher vis-à-vis du timing du cataclysme pour Contrax. C'est là aussi qu'on voit que la draft des Echo Fox elle est vraiment bien faite. Ça a été bien fait, c'est agréable de les voir comme ça les Fox. Enfin, on l'a dit, hein, c'est la team qui peut créer la surprise. Je l'espère ce soir. Je le souhaite en tout cas. Effectivement après du côté de Brandini, tu parlais du... de l'hydro titanesque first, même juste le Tiamat au minimum qui reste un truc classique sur chaîne et qui permet quand même d'avoir un pool damage qui est pas négligeable. Voilà, attention Yensen, Akkadian, le flash est revenu, Akkadian, ok on va pas y aller, il restait un flash également sur Yensen, le heal qui a été concédé tout de même là du côté du millénaire des Cloud9 et Froggen qui va pouvoir faire son back pendant ce temps là au niveau de la bot lane, ouais, pied d'égalité, hein, on farm, rush des bots de Berserker du côté de Mash là où on cherche forcément de l'AD. Du côté de Sneaky et cette lame d'infini hein, qui va mettre un petit peu de temps à pop. Et Dragon des Montagnes engagé là en solo par Akkadian. Pas de défense, pas de vision pour Cloud9. Ouais, il peut le faire sans trop de soucis. On va le faire sortir comme du Drake Pit. Et Contrax, il est un petit peu lent sur la map. Il est en train de faire son blue buff. Donc là, on est bien du côté du jungler d'Echo Fox. Sur la mid lane, pas encore de flash pour Froggen. Mais on a récupéré déjà le Ruby Crystal, l'épée longue. Gate hein, qui reste en protection. Il tient justement la porte si Sneaky qui va se prendre quelques dégâts. C'est un joli poke là qui est mis. Ouais, c'est pas mal du tout là. Hein. Attention, Gate qui défend sa pink ward. Corps et âme, Sneaky, on trouve la bombe. Akkadian qui est juste à côté. Hein. Et pour l'instant, la duel des Cloud9 qui s'en doute pas du tout. Et voilà, dragon validé, il faut reculer. Mash qui fait peur avec son barrage burkanique. On va se replacer. Le jump qui était lâché pour Sneaky. Hein. Oui, fais attention au cours mana. C'est 60 points de mana le rocket jump quand même sur une Tristana. Et t'as pas non plus un mana pool qui est énorme sur le personnage. Toujours sur tous les picks comme ça, tous les carry AD qui ont un 10 engage, faire attention avec l'utilisation justement de ce spell qui peut rester un problème. Contrax ici qui fait aller prendre la vision directement au corbin adverse. On essaie d'avoir un maximum de contrôle sur la carrière. Attention, Gate ici qui est prêt à partir. Heureusement, c'est un Brome, ça tombe bien et Mash n'a plus beaucoup de mana. Non, effectivement, Mash là qui va devoir lâcher un peu de terrain, c'est le problème de Kog'Maw en début de partie, hein, bien entendu. Et la force d'Alistar, puisque c'est vrai qu'on a tendance à mettre le pick en avant pour sa faculté de dive et de contrôle, mais la tenue de lane avec le heal, c'est vrai c'est quand même un petit ajout qui est tout à fait sympathique, surtout couplé au Targon, plus le Warlord sur un ADC comme Tristana, ce qui va permettre en fait d'out-sustain ce Kog, et peut-être de prendre un petit lead au niveau du CS. Effectivement, c'est un heal bot Alistar, moins qu'avant, mais ça reste toujours très très fort à ce niveau-là. Et c'est vrai que le Warlord, t'as bien fait d'en parler, Ellie, puisque pour le coup, ça reste une valeur sûre sur la duo lane. On n'a pas vu de Doran Shield sur la bot lane cette fois-ci, et je trouve ça bien, tu en es pas. Ça annonce généralement peut-être un peu plus de bagarre, bon, heureusement c'est toujours un petit peu compliqué au niveau de ses combats. Mash qui n'a toujours pas beaucoup de mana. Attention Mash quand même, hein, les sbires qui tapent. Mais c'est bien fait pour Mash là, le fait de deny les auto-attaques de Sneaky sur cette bombe, sur cette tour. On économise de précieux points de vie sur le bâtiment. Et pendant ce temps-là, Echo Fox qui mène une manœuvre offensive là, au niveau des Raptors adverses. On avait déjà eu Froggen, hein, le counter, en laissant le gros. Donc Akkadian qui pourrait chercher à finir. Et surtout, en fait, on veut... Alors pourquoi est-ce qu'on veut prendre la vision là? Parce que le dragon est déjà tombé. Est-ce qu'on anticipe peut-être une phase de gros push au niveau de ce bot side? Ou alors ils peuvent faire une rotation, les Fox. Là, les Fox, ils font une rotation, ils vont sur la top lane, ils prennent la T1 top et ils enchaînent avec le héros de la faille. Et globalement, ce serait à mon avis leur meilleur move.
parce que la lane bot, de toute façon, face à la Tristana Bro, Tristana Lista, il se passera rien. Ou alors ils vont se faire gank, ce qui est pas bon pour eux. Mm-hmm. Mais s'ils vont leur rotation top, ils évitent le risque de se faire gank. Et en même temps, ils peuvent mettre la pression sur un objectif, sur deux objectifs importants d'un coup, que sont la First Brick, le héros de la faille. C'est ça, effectivement. Rogan qui met beaucoup de pression. Et ouais, ça reswap. Et ben voilà. Ça a reswap, mais côté Cloud9 en fait. Bah côté Fox aussi, je crois, parce que regarde au niveau de la base. Ouais, Brandini qui change d'avis, hein, effectivement. Alors, du coup, Cloud9 qui va avoir l'initiative là-dessus. Mais alors, tout le reste de map control qui a été mis bot side par Echo Fox, il sert à rien en fait, il est là pour faire joli. Mais il est très beau, hein. C'est très beau. Là pour le coup, il est très très beau. On voit la map. Ce qui est déjà pas mal, l'arrivée de Gate et de Mash au niveau de cette top lane. Bon, bah pour le coup, pour les Fox, on n'aura pas cette pression sur la tour. Hein. Justement, ça a été très très bien géré de la part des Cloud9. Bien géré de la part des Fox. Attention, le combo, Smoothie. Smoothie qui veut rentrer. On va chercher le stun avec la bombe. Gate qui prend de gros dégâts. Le Cataclysme, Akadian qui est dans le rouge. Le Stay United contre Axe qui doit flash out. L'arrivée de Impact, l'ultimate de cette Rek'Sai. Flash out instantanément. Brandini en front lane. Le backup de Jensen. Brandini isolé qui flash out. Pour le coup, Echo Fox et Split et le réengage pour Cloud9. Rogan qui fait le dash directement, qui prend le kill sur Contract. Ici, c'est pas mal. On récupère un kill du côté des Fox. On met un petit peu de poke à distance. Et finalement, malgré l'arrivée avant de Jensen, eh bien c'est Frogan qui réussira à prendre le kill. Comme quoi, rien ne sert de courir. Il faut partir à point, Ellie. C'est ça. C'est ça, effectivement. Et là, pour le coup, on devrait peut-être pouvoir essayer de gratter cette tour. Est-ce qu'on cherche le dive? Bon, on dit pas de flash, on le rappelle. Il y a le Tiamat Impact qui va tanker. Franchement, on peut se le permettre là. Hein. Il y a un Alistar. La bombe. Dernière auto-attaque, c'est bien fait. Brandini qui gratte une pointe de l'immortel. Le taunt. Ça y est, c'est parti. Attention de passer du Brome. Le taunt encore qui va passer. Défense de Smoothie avec un headbutt. Akadian qui cherche à rentrer. Flash de Sneaky. Très bon pulvérise de protection. Et on veut return encore. Ouais, la poussée théorique qui ne passera pas. Echo Fox tient la tour pour l'instant. Il tient la tour. Il y a une exhaust un peu particulière comme de la part de Gate ici qui, à mon avis. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de follow-up pour certains gauges possibles. On va concéder la tour là du côté des Fox. On sait que c'est bien trop risqué d'essayer de la défendre. Mieux vaut concéder une tour que filer la tour plus quelques kills. Et ce sera la first brick en faveur des Cloud9, Ellie. Exactement, on va voir cette action. Alors là, l'ultimate déjà de Gate n'était pas ouf. Le Stay United fait vraiment une grosse différence. Hein. Et je trouve que c'est dommage que Akkadian flash out parce que il flash out au moment où Brandini arrive. Alors qu'il y a un taunt qui va partir. Il y a un taunt, c'est une Rek'Sai et ce moment de la game ça tilt quand même massivement parce que derrière en fait il sert à rien du fight Akkadian, hein. Il est juste là pour faire joli et du coup bah, en termes d'apport c'est un peu léger. Bon, Cloud9 pour le coup est, reste derrière en termes de kill mais au niveau des golds ils ont repris l'avantage et ça c'est une très très bonne nouvelle. Après bon ils sont encore loin de leur power spike là où la compo Echo Fox en fait elle spike super tôt. On a déjà une trinité pour Frogun, Warrior pour Akkadian là au contraire ça fait le choix du Cinderhulk et la BRK en préparation pour Mash. Là ça va être une petite phase de souffrance pour Cloud9 logiquement. Normalement ça devrait être une phase de souffrance et faut faire attention quand même, hein. Les Fox ils laissent l'avantage au gold à Cloud9. On sait que Cloud9 c'est une équipe qui sait utiliser son avance au gold, les Fox en général ils ne le savent pas. Et c'est un petit peu le problème justement de cette équipe, puisque les Fox au Spring Split c'était l'équipe qui avait le meilleur early game. Et pourtant c'était le paillasson DNA. Ouais c'est sûr. Et on ne parlera pas de ce combo raté pour Smoothie. Petite erreur là-dessus. Des Dionian qui restent en topside, la tour est tombée hein, en faveur de Cloud9, ça c'est une information de prime importance, c'était la première tour de cette game. Après, en gardant la Dionine en top, est-ce qu'on va chercher à défendre ce dragon? Dragon des montagnes qui pop dans 25 secondes. Et on a déjà un dragon des montagnes chez Echo Fox. Un deuxième, si on le met en parallèle avec le fait qu'il y a deux ADC, dont un porteur de BRK, sur les calls Nashor, ce serait un énorme avantage pour Echo Fox que tu récupères cet objectif. Oui, pour le coup, ça reste extrêmement fort. Après, la BRK, j'avais checké, et tu fais 60 points de dégâts sur le Nashor avec. Voilà, attention à Akkadian, le combo! Le Wombo combo! Gate qui tombe, Akkadian également, double kill pour Contract, superbe smash, le héros de la fight qui va reset malheureusement, mais qui devrait pouvoir être validé par ses Cloud9. Quoique, attention, Frogun et Mash à la défense, est-ce qu'on peut arriver à faire le play, Sgardome? Ah, ça paraît compliqué, il y a quand même beaucoup de poke à distance. Après, ils ont un des meilleurs combos qui existe une fois que t'as le dragon ancestral, qui est un combo qui met pas beaucoup de dégâts avec ses R à distance, mais qui prend le flash-in de Frogun. Oh là, le flash-in tout Valkyria out, c'était ambitieux de la part de Frogun, et malheureusement, une ambition qui a été complètement avortée. Mais ce héros l'a failli, il est défendu. Ouais, ça tient pour l'instant. Bah, Frogun qui fait peur, hein. Trinité, botte de sorcier, on a vu ses dégâts. On va revoir cette action. Jensen qui s'expose un petit peu, mais qui paye très bien. Et voilà, la phase de contrôle dont on parlait. Il y a énormément de hard CC hein, dans cette composition Cloud9, et ça ne pardonne pas.
Très bien fait. Du coup, on match le compteur des kills pour Cloud9 et on est toujours devant. En termes de gold, bien entendu, l'héros de la faille à reset et priorité au niveau de ce dragon des montagnes pour Echo Fox, Gate et Acadian qui se mobilisent au niveau de ce bot side. Brandini qui met la pression au niveau de cette tour bot. Après, le map control pour l'instant laisse cruellement à désirer côté Echo Fox. Oui, tout à l'heure, ils avaient fait un bon réseau comme t'avais parlé bot lane, malheureusement qui n'a pas été très utile. On va récupérer le deuxième dragon des montagnes par contre pour les Fox. Une double Mountain Drake. Tu parlais tout à l'heure de la BRK justement. Et ouais, la BRK, du coup, comme je disais, c'est 60 points de dégâts. Oh, le TP. Baron. Oh, le TP. Attention, Smoothie qui ne l'entend pas de cette oreille. Smoothie qui pourrait rentrer. Le Cataclysme également qui pourrait partir dans quelques secondes. Le Smite, c'est validé pour Acadian. Le Taunter Out de Brandini. Jump in pour Sneaky qui pose de lourds dégâts. Cette bombe qui explose, qui valide le kill. Un trade dragon contre kill en faveur des Echo Fox là-dessus, bien sûr. Maintenant, côté Cloud9, il faut profiter de cet avantage numérique. Il faut profiter, et justement, ils partent au niveau de la bot lane pour aller récupérer 7-1 les Cloud9. Là où les Fox n'ont toujours pas récupéré une seule tour Ellie, petit à petit, les Cloud9 arrivent à snowball cet avantage au gold. Et c'est extrêmement important pour eux, justement. Là où tu avais parlé du power spike des Fox, et en effet, les Fox actuellement peuvent mettre beaucoup de dégâts, peuvent créer du mouvement, mais généralement, il faut le faire à 5. Et c'est peut-être leur problème parce que les Cloud9 tout à l'heure étaient regroupés à côté du héros de la faille. Là, ils étaient regroupés au niveau de ce Drake. Et ça fonctionne bien pour le moment, c'est une bonne équipe. Ça passe, effectivement. Attention au match là. Il faut reculer. Contract Sensen qui lâche du terrain aussi. Brandini qui part en cross-map, mais qui a le Stay United et le TP de dispo. Du coup, on n'a pas envie de chercher la chamaillerie. On va avoir cette action. Le Cataclysme qui n'était pas dispo à quelques secondes près là. Et ce smite pour Acadian qui a été assez précis en fait, mine de rien. Ouais, ça se joue vraiment à très peu de choses près. Le smite qui n'est pas parti pour Contrax. Et là après, bon, Brandini qui se sacrifie, mais clairement, cette phase de jeu, elle est très intéressante pour Echo Fox. C'est-à-dire qu'à partir de 20 minutes de jeu, ils vont pouvoir mettre une pression en continu au niveau du Nashor qui va être intenable pour Cloud9. Ouais. Et ça c'est la grosse info, sachant que le prochain dragon, ça va aussi être un dragon des montagnes, Ellie. Donc le dragon des montagnes qui va pop à peu près à 23 minutes, le troisième de la game. Donc si le Nashor n'est toujours pas fait, ils pourront le récupérer d'autant plus vite. Frogan qui a pas back depuis longtemps là, sa trinité, ses bottes de sorcier. Et à mon avis, il a un petit équipement acheté. Au niveau de la bot lane, Mash qui peut faire des dégâts déjà énormes. Voilà, t'es niveau 10, donc t'as ton barrage bleu arcanique niveau 5. Il y a la BRK. Là, côté Fox, s'il y a une bagarre, ils sont censés la gagner. Maintenant, il faut aller la chercher. La fameuse bagarre. Il faut aller chercher justement ce combat. Ah, la fameuse bagarre. C'est une bagarre des tavernes, un pugilat. Ouais, très clairement. En tout cas, deux cagoles d'avance pour Cloud9. Vu leur draft, c'est quand même un bel avantage, ça mine de rien. S'ils arrivent à gérer cette problématique dont on parlait du Nashor, sur le scaling, ils vont pouvoir se mettre bien, sachant que Jensen est parti sur quelque chose qui spike assez tôt dans la partie, avec un choix de déguisement hanté, histoire d'avoir un peu de burst et arriver à tomber la frontline rapidement. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on commence à avoir de l'ARM. Pour Brandini, il y a les bottes de Mercure, il y a le manteau de Spectre. Acadian n'en a pas encore, ce qui pourrait être une cible de choix, puis comme on le disait, c'est un Acadian qui a fait Warrior. Donc en termes de pool d'HP, si ce n'est cette Kid Dungeon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas grand chose, mais il fait mal. Et une Rek'Sai qui fait mal, il faut en profiter, mais tôt dans la game. Parce qu'il y a un moment où ça ne suffira plus, malheureusement. C'est ça. Le héros de la faille, tentative numéro 2 pour les Cloud9. Cette fois-ci, la tentative va aboutir, Ellie. Et ça devrait leur assurer normalement une tour, peut-être sur cette mid lane, justement. Mais voilà, ce héros. Alors attention, Frog gagne le gros paquet. Directement, on recule là. Et on bloque la rotation avec ce package pendant quelques secondes. Bon, ce ne sera pas super impactant, mais un petit détail qui a toujours son importance. Et côté Cloud9, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie la Dionne en topside, pas de défense pour l'instant au niveau de la bot lane. Impact qui est mobilisé au niveau de ce mid pour assurer la frontline et donner à Jensen suffisamment de protection pour assurer le wave clear. Attention à Sneaky qui pourrait se faire attraper, Smoothie qui veille au grain. On prend l'information que ce carapateur a cette porte de contrôle. Sneaky qui va avoir le temps de wave clear et de reculer. C'est encore un timing critique là pour Cloud9 parce qu'il n'y a pas le deuxième item sur cette Tristana. Donc on est bien dans la partie pour essayer de mettre un petit peu de rythme, pour arriver à récupérer des objectifs comme le héros de la faille. Maintenant, il faut éviter la confrontation directe. Il faut éviter la confrontation directe et il faudrait que les Fox à côté de ça essayent de la forcer justement. C'est à la fois compliqué, c'est-à-dire que les Cloud9 n'ont pas encore beaucoup de dégâts pour une confrontation directe, ils ont juste du CC. Et les Fox sont dans un moment de la partie où globalement, bah, ils peuvent essayer de le chercher. Et s'ils le font pas, ça peut être compliqué pour eux. Par contre, il y a toujours cette idée de Baron Nashor et cette pression. Globalement, les Fox peuvent jouer là-dessus, t'en as parlé tout à l'heure. C'est ce côté, voilà, tu vas zoner le Baron Nashor, tu profites de tes doubles dragons des montagnes. Et tu forces les adversaires à commettre l'erreur. Et tu crées le mouvement en permanence, effectivement. Ça va être l'enjeu là pour Echo Fox. Impact en bot side, Sneaky qui continue de clear. Ça y est, il y a le statique. Là, c'est une très grosse information. Ça va permettre à Sneaky de wave clear très rapidement, de pouvoir décaler, de se rendre utile pour son équipe. Et surtout de commencer à avoir un taux de critique tout à fait décent. Face à une compo Echo Fox qui n'a pas de rendu 1, qui a de l'armure certes, mais on est sur un palier, voilà, seulement de la côte de maille et de la Tabi Ninja. Donc rien de bien insurmontable hein, pour Sneaky. Niveau 11 déjà, donc l'ultimate 32 aussi, hein, on tendance à l'oublier, mais le burst de Tristana avec son ultimate,
peut-être redoutable. Et du coup, ça rotate mid. Attention, EcoFox est pris de court là tu gardes. Effectivement, la T1 qui va peut-être tomber normalement en faveur des Cloud9. On a récupéré le statique pour l'instant là du côté la de Rogan. Rogan qui doit reculer, forcément. La tour, ça passe. Smoothie, est-ce qu'on cherche un dive? Non, et on va pas snowball sur la deuxième charge. Le héros, ça va partir quand même. Et on trouvera un petit peu de dégâts cette tour. C'est léger. Mais c'est toujours ça de gratter. Et surtout, en fait, Cloud9, avec la prise de cette T1 mid, va pouvoir respirer au niveau de la prise de vision de la Shore. On va respirer et on espère quand même que pour le coup, les Fox vont réussir à mettre un petit peu plus de pression, à gêner le Cloud9. Puisque là, pour l'instant, c'est Cloud9 qui dicte la game. Et ça, c'est un problème pour les EcoFox. Mais ça a toujours été leur souci, cette fameuse. Cette transition vers le mid-game qui est toujours le problème des teams bas de tableau, voilà, c'est bien de réussir à gagner ses phases de lane, c'est bien de jouer la solo queue, mais il est aussi bon, de bon ton finalement, de réussir à passer outre ça et atteindre le niveau supérieur. Alors qu'est-ce que tu vas faire par contre Brandini avec cette chaîne lane? Je le vois pas faire à Sunfire maintenant, ce serait pas un thème très intéressant. Vœu de chevalier peut-être? Le vœu de chevalier, ouais, par contre, effectivement, serait excellent, étant donné qu'il y a deux AD auto-attaqueurs. Ça pourrait être bon et ça permettra à Gate de partir lui-même plus vite sur l'Iron Solari dans ces conditions. Ou une cape solaire également, hein, ce qui est envisageable. On va voir. En tout cas, pour l'instant, attention, Contrax qui doit reculer là-dessus. Bah oui, forcément, Liberta, ça calme. Et le passif du Brome surtout, hein, qui reste quand même une sacrée épée de Damoclès qui trône au-dessus de la tête des Cloud9. Et pour l'instant, écoute, on patiente, on reste au niveau de la mid lane. Contrôle du push en faveur de EcoFox. Et ça, c'est important parce que oui, Nashor est dispo, mais également encore un dragon des montagnes, Gardoum. Et alors là, le troisième, qui donnerait un avantage en termes de, voilà, de destruction du Nashor, de push des bâtiments, qui serait difficilement rattrapable. Ah bah, tu mets juste Akkadian, Gate et Mash à un moment pour prendre le Nashor, ils le font à 3. Pendant que Brandin et Froggen mettent la pression sur le reste de la map. C'est quelque chose qui est tout à fait possible une fois que t'as 3 dragons des montagnes. C'est flash out. C'est flash out pour Froggen là. Et c'est bien fait. Par contre, attention, bah, forcément, flash in de Contrax. Il y va, il va au bout des choses du teammate du Galio. Il Froggen complètement isolé, smashé là-dessus. Sneaky qui va prendre le kill. Pendant ce temps-là, Mash et Akkadian qui avait tenté un sneaky Nash. Ce n'est pas passé. Le wall de Jensen qui va bloquer la porte de sortie sur le flanc est de EcoFox. Forcément, on doit passer par la gauche et on s'expose. Et le Nashor, il est envisageable là pour Cloud9. Il est complètement envisageable en effet. Alors après, est-ce qu'ils veulent risquer le 50-50 face à Akkadian? À voir. En tout cas, ils prennent directement la T2 mid. Froggen qui a eu un très bon réflexe au début, c'est Valkyrie flash directement pour éviter le combo de Smoothie, mais voilà. Contrax, enfin, ça qui est bien avec les Cloud9, c'est qu'ils punissent instantanément. Ah, ça va loin en fait, hein. Un carry qui a pas de flash, que ce soit le Jarvan, que ce soit le Galio ou le Alistar, ça peut arriver vraiment super vite et du coup ça va coûter un inhibiteur ça. Attention, Froggen repose dans 4 secondes, on tente de temporiser côté EcoFox, pas de cataclysme, on le rappelle, Mash qui arrive à trouver des dégâts, l'inhibiteur qui tient encore bon, les Cloud9 qui lâchent la position malgré les crits de Sneaky. On a trop peur de ce Froggen qui revient avec un gros paquet. Froggen sous home guard, ça kite un maximum. Brandini en opposition. Brandini qui encaisse sans vraiment sourciller. Pour l'instant, ce chaîne est très solide avec son casque adaptatif. Est-ce qu'on peut aller plus loin côté EcoFox? Ce serait risqué quand même. Ce serait risqué. Pas facile de le forcer. Le problème, c'est que Brandini, pour faire l'engage, il doit faire un flash taunt. Ça peut être difficile, sachant que Gate n'a plus de fissure glaciale. Ah, les Fox, ils doivent essayer le poke, ils doivent essayer de mettre la pression, forcer Gate. Les adversaires à l'erreur. Ouais, Gate, attention. Ils ont pas de quoi engage. Ouais, le contract c'est quand même super low, le knock-up qui est passé, Brandini qui se fait ramener, Brandini est isolé, la bombe, ça suffira, killing spree pour Sneaky, pour son à la fontaine qui va rentrer, Impact qui encaisse, Akkadian qui doit reculer, Froggen qui va perdre son gros paquet, il faut le lâcher, le taux de flash pour Impact est fantastique, le paquet out dont on parlait, Gate qui tombe, on jump in, Mash, flash out, Impact qui prend lourd, Contrax qui s'expose, Contrax qui prend énormément de dégâts, qui va se sacrifier un véritable kamikaze là-dessus, mais ça passe, Mash est down, Contrax également, double kill, et Sneaky pour aller chercher le Rampage. EcoFox sans pas Elgardum. Ils sont partis chase tellement loin les Fox. Ils avaient pas les armes, ils avaient pas d'ultimate de Gate. Il y a aucune raison sensée à ce qu'ils ont fait les Fox, si ce n'est une incompréhension totale du jeu, et ce qui est un peu dommage je pense. Pour le coup, 6000 gold d'avance pour les Cloud9 qui vont en plus récupérer un Baron Nashor gratuitement, qui vont récupérer un Dragon des Montagnes. Bref, un Power Spike juste monstrueux pour cette équipe qui sur ce move va récupérer énormément de gold hein, sur la phase sur le fight en deux temps, il y a l'inhibiteur mid qui est toujours à nu. Là, les Cloud9 peuvent finir la game avec ce Nashor. Oui, clairement, ouais. Avec un inhibiteur à poil comme ça. On va revoir cette prise de fight d'ailleurs. La position qui est pas mauvaise hein, pour les EcoFox. Ouais, mais ils ont pas d'ulti sur game. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est Brandini. Brandini prend trop lourd. Le knock-up de Talia fait une grosse différence. Ça permet vraiment de split le chaîne par rapport au reste de son équipe. Et puis après, c'est du 4v5. Même si Contrax c'est low, il suffit juste de dérouler.
Le Flashing Impact change beaucoup de choses parce que je pense que côté EcoFox, on attendait que l'équipe Cloud9 s'avance un petit peu dans ce boulet d'étranglement pour sortir un gros paquet et turn. Et en fait, ce flash crée l'élément de surprise qui désolidarise complètement le pack EcoFox. Et puis derrière, quand t'as une Tristana qui peut bombarder de manière complètement free, forcément, ça tourne vénère pour ces EcoFox. Et malgré ces 3 dragons des montagnes, il y a un retard au gold environ de 7k et surtout Snashor qui va peser lourd. Ouais, ça va, ça me semble au compromis là pour les Fox malheureusement. Les renards vont repartir dans leur terrier pour le coup. Et c'est je crois le feu de chevalier en effet hein, qui a été terminé, t'en avais parlé sur Brandini. Donc en théorie du côté des Fox on est bien. On a deux items qui sont ultra forts sur les carries. Les carries ont un stuff qui est tout à fait correct, mais si la Ginzu est pas terminée pour match, le problème c'est qu'en face, t'as une compo qui est forte, t'as une team qui joue bien, qui a un bon collectif, qui vient d'avoir un Baron Nashor. Et le Baron Nashor outre le push, bah ça apporte aussi des stats pour aller au combat. Oh là, attention Smoothie. Smoothie qui va turn, bien sûr, le wall. On ignore complètement la défense des EcoFox côté Cloud9. On avance avec cette bombe. Voilà, l'explosion. La tour qui tombe. Une fois de plus, cette limiteur qui est à nu contre Axe qui a envie de rusher. On le sent après Froggen qui n'a pas de flash. Hein. Ça, c'est une très grosse information. Et voilà, ce deuxième inhibiteur qui était à nu vient de tomber. Le premier ici. Est-ce qu'il peut vraiment être défendu? J'en doute, on va tenter un baroud d'honneur, Et il tente le dernier fight justement, attention Gaëtien n'a plus de HP. Et le bump qui va toucher à Gaëtien et Gaëtien devrait répondre très rapidement. C'est Jensen qui prend un premier kill. On a aussi Impact qui va en prendre un autre pendant la match, ça fait un kill et se fait détruire par Jensen et Lee. Il ne reste plus que Froggen une fois encore qui se lève fier et droit face à ses adversaires. Mais il est seul au milieu de la bataille. Ouais, seul et isolé là effectivement Cloud9. On passe sur les T4, Froggen sur cette défense qui ne pourra pas faire grand chose j'ai l'impression. L'inhibiteur qui va être terminé par le canon. Aucun souci, Nexus à nu. Le repop, le plus tôt, c'est dans 10 secondes. C'est très très long, 10 secondes à ce moment de la partie. Et Impact voilà, qui cherche à zoner avec ce taunt. Jensen, on trouve le knock-up. Jensen qui sort une très bonne game sur cette Alia. Oui, c'est vrai que très très bon dans la globalité. Et il a fait le taf en teamfight. Tu l'as bien mentionné, mais les poussées sismiques étaient ultra intéressantes. Mais on l'avait dit, de toute façon, il y avait de grandes chances que ce BO se fasse en 2-0. J'avais de l'espoir pour les Fox, toujours un peu d'espoir pour cette équipe, je ne sais même pas pourquoi. Mais c'est pas assez bon côté Fox. C'est pas assez bon, il y a beaucoup d'erreurs. Et notamment, enfin, ce fight, quand Froggen meurt, ok, il meurt. Ils arrivent à défendre l'inhibiteur, c'est très bien. L'inhibiteur est défendu. Pourquoi est-ce que tu chase et enfin, ce chase n'a aucun sens parce que si tu chase, à un moment, c'est que tu engages parce que tu te sais plus fort. Mm-hmm. Or, quand tu sais que ton CC principal de teamfight, ça s'appelle la fissure glaciale de Brome, que c'est pas up, tu n'es pas plus fort. Du coup, t'es pas censé chase. C'est... Toujours le même problème hein, chez EcoFox, cette communication qui n'est pas au poil. Et pour le coup, ça fait 1-0 pour ces Cloud9 qui sortent une première game assez convaincante, mine de rien. On va en game 2 si ça confirme ou si ça infirme. Mais pour le coup, ce sera après, bien sûr, une petite page de pub. Rendez-vous dans 5 minutes sur Gaming. A tout de suite. Game 2 de ce BO, Cloud9 face à EcoFox. Pour l'instant, voilà, première victoire des C9 assez facilement, même s'il faut reconnaître que Brandini nous a impressionné. Je pense sur son premier move, il a fait un bon move. Ouais, c'est ça. Mais ça s'arrêtait là. C'est pas trop bon non plus. Voilà, Brandini il a fait un super first block qui était juste génial en mode je suis trop fort.
Et là, on s'est dit, waouh, on a craché sur ce mec. On a envie de lui cracher dedans maintenant. Ce qui est vachement dégueulasse. Et juste après, bah, en gros, ça a été C9 et Kofox. C'est-à-dire, tu sais que C9 va stomper Kofox. C9 a stompé Kofox. Ouais. Point final. C'est ça, effectivement. C'est un peu ce qui s'est passé. Pourtant, la draft était quand même assez bonne, je trouvais, côté Kofox. Oui, très bonne draft. Mais toujours les mêmes problèmes, hein, l'utilisation, la. Enfin, des synergies d'équipe, c'est toujours pas ça. Pendant qu'on a un petit plan sur l'ami Brandini là, qui a quand même bien vendu du rêve dans cette première game une fois de plus. Et on est parti, deuxième draft, cette fois-ci Cloud9 en red side. Alors, est-ce qu'on pourra avoir du pick surprise? Ah, j'aimerais beaucoup, hein. Un Kane. Le Kane de Contrax, moi j'aime bien le voir. Et là, ils vont peut-être se sentir en confiance dans le BO. À voir ce que ça peut donner. Après, Akkadian étant un joueur à la base plutôt agressif, on aurait peut-être plus de contestation possible, hein, de sa part. Dans la jungle, à voir ce que vont sortir les Kofox cette fois-ci. Après la Froggen, t'es sur un pick qui n'a pas de CC. Et c'est bête. Mais en tant que mid-laner, quand t'as un pick qui a du CC, qui peut faire des plays tout seul, c'est plus simple que de dire juste, bah j'arrive et je tape. Ouais, effectivement, c'est... Faut voir, y aura pas de Syndra, y aura pas de Leblanc non plus. C'est vrai qu'il y a un peu de contrôle pour Froggen. Après, y a pas énormément de mid-laner avec beaucoup de CC qui font vraiment énormément de dégâts disponibles aujourd'hui. Hein. En général, puisque bon, les priorités vont quand même sur Talia, sur Orianna, il y a Cassio éventuellement, mais j'ai du mal à voir Froggen me mettre vraiment beaucoup de pression. Et côté Kofox, on a mis la priorité sur le Jarvan alors que le Zac est disponible. Côté Cloud9, j'ai l'impression qu'on n'a pas spécialement envie de se précipiter non plus sur ce Zac. Alors, le Zac, je comprends pas en fait pourquoi en EU le pick il a autant de présence et c'est autant de win. Là où en NA le pick c'est bon, écoutez, Zac c'était bien, mais là 7.15 il s'est pris un petit nerf, on l'oublie. On l'oublie, on passe sur autre chose, complètement changement de méta, changement de pick à côté Cloud9. On peut prendre, dès maintenant, il y a la Kalista qui est disponible, qui est habituellement un pick quand même priorisé. Ouais, effectivement, une petite Kalista, pourquoi pas. Non, ce serait la Tristana. Faut dire que ça avait bien marché sur la game d'avant. Puis bon, tu sais que t'as un Maokai, donc dans tous les cas, tu vas avoir du temps pour arriver vraiment à poser tes dégâts avec la Tristana. C'est vrai. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, on révèle pas grand-chose, c'est assez safe au niveau de la lane maintenant. Bon, dans tous les cas, ça assure le scaling. Bref, c'est tout ce qu'on aime. Et du côté des Kofox maintenant, quel va être le choix? Ce Zac encore, hein, bah, qui pourrait être sorti. Après, si tu prends Zac maintenant, tu sais que ton Jarvan est top. Le Kog'Maw de Kiss, cette fois-ci, ce ne sera pas Mash, Ellie. On a Kiss qui revient. C'est vrai qu'on a Kiss. Ah, quand ça va mal dans ta team, tu rentres Kiss. Oui. C'est terrible. C'est bien dit. C'est extrêmement deep, Gardoum. Et là, je pense que voilà, Kiss, ancien carriadé des TSM, hein, il fut un temps. Ça a été notamment le prédécesseur de Wild Turtle. C'est une sur des TSM perdu. Oui. Oui. Étrangement. C'est ça. Voilà. C'est des joueurs ressortis d'outre-tombe avec la Janna de Gate. En vrai, c'est terrible de se dire ça parce que c'est des joueurs qui vont jouer 10 fois mieux que nous, c'est leur métier, etc. Et pourtant, par rapport aux autres joueurs de la même ligue, ils sont plusieurs crans en dessous, c'est assez particulier. Ah, les restrictions budgétaires, hein, quand tu prends Looper, forcément derrière tu veux bien le payer. Il y a toujours des gens meilleurs que d'autres, hein, c'est. Surtout pour ne pas faire jouer Looper, quoi. Surtout pour ne pas faire jouer Looper, c'est vrai. C'est bon. Et le Blitz pour Smoothie, le Blitz, il est là, agressif. J'aime bien la draft Cloud9 déjà. Ils vont refaire la même chose que la game d'avant, je pense. Hein. Sinon, voilà, on a trade le Alistar pour le Blitzcrank. Bah, là, qui reste à peu près la même utilisation. Concrètement, il leur manque juste un pick mid lane qui a du wave clear, et dans ce cas-là, ils auraient un bon wave clear, un bon engage, une phase de siège défensive-offensive qui est excessivement bonne parce que le Blitz peut casser une phase de siège défensive avec le grab. Ils auraient déjà tout, c'est-à-dire qu'avec 4 picks, ils couvriraient à peu près tout. Bah là, il manque la Talia en fait. La Talia Jensen par exemple, oui, c'est quelque chose qui me conviendrait. Et là, ils sont bloqués en fait, Ecofox, parce que soit ils bannent Talia et ils laissent Orianna d'open, soit ils font l'inverse, et dans tous les cas, ils sont jambon. Ou alors, ils bannent la Orianna. Il laisse la Talia et Froggen stompe la Talia avec son TF parce qu'il peut rejoindre plus vite avec sa destinée qu'elle ne le peut avec son mur de la tisseuse. Oui. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, Gardoum. Et non, et Froggen, il met les gold cards dans la tête de Talia. Oui, c'est vrai. Tu vois pas le jeu d'une bonne façon, Ellie. Tu ne sens pas le talent là, Wilson. C'est-à-dire que dans les faits, Froggen sur un faible laner comme TF face à Talia qui est un bully laner sur Jensen. Le scénario dans lequel genre Froggen il met 2-0 à Jensen en lane. Ouais non ça arrive pas. Il est quand même sacrément tiré par les cheveux, quoi. Ça arrive pas, c'est à dire que même si Jensen il est blessé au doigt, je suis pas inquiet à ce niveau là. C'est un capillotractage de niveau 5. Oh Shogat, Maokai, Blitzcrank. Oh tu meurs pas, tu ne meurs jamais et tu tues des gens. Après triple tank contre Janna c'est pas ouf, hein.
C'est pas ouf parce que tu t'attrapes pas tes adversaires, mais le jour où tu les attrapes, ils sont morts et c'est pas la Janna qui va te DPS pendant ce temps-là. C'est pas la Janna, mais bon, il y a un Kog'Maw quand même. Hein. Ouais, mais c'est Kiss. Et c'est Kiss. Tu vois, c'est à la fois, je suis d'accord, le Kog'Maw peut faire un super kiting avec la Janna, mais le joueur peut peut-être pas. Je sais pas, franchement, je pense qu'il y a moyen. Hein. Franchement, la draft EcoFox, elle est belle là. Alors bon, le Nasus, je suis pas archi convaincu. Le Nasus midlane. Gargoyle, ça peut être sympa aussi. Un petit peu d'execute. Et attends, ce Zac n'aura pas été contesté du tout dans cette draft. Bah non, écoute, deuxième de suite. Oh, le Lucian. Le Lucian. Le Lucian mid de Froggen. Alors, est-ce qu'on en parle de la compo full AD face à triple tank? Non, il y a Kog'Maw, ça fait dégâts magiques. Tu joues on hit avec Ginzu, Witsend et tout, et tu fais. Ouais, j'essaye de. Ouais. C'est très très bon tirage de cheveux aujourd'hui, Gardo. Ah, j'essaye. Après, dans l'idée, tu vois, t'as Jarvan avec sa frappe du dragon qui baisse l'armure adverse. Oui. T'auras forcément un Black Cleaver du côté de Lucian. Oui. Donc t'as un Shred Armor qui est très bon. Il y aura un Shred Armor, c'est vrai. Mais un gros, tu vois, c'est un double Shred Armor là qui est vachement intéressant. Non, c'est vrai que pourquoi pas. À deux items, tant qu'on n'a pas encore trois cœurs gelés, ça devrait se tenter. Mais bon, voilà, c'est quand même. C'est tricky, on va dire, parce que le Maokai. Maokai qui fait Cinder Hulk, je pense, vœu de chevalier, on aura de l'armure rapidement. Je me dis, il n'y aura pas forcément beaucoup d'armure, mais bon, Impact, on portera dans tous les cas. En plus, il y a une Orianna, enfin, c'est triple tank avec un porteur de shield mid lane et un hyper carry. En fait, les drafts qui se valent un peu, j'ai envie de dire, au niveau des forces. Bon, ouais. Si ce n'est qu'on a la pression début de game pour EcoFox, c'est un peu le même cas que la game d'avant, en fait. Et puis, en face, c'est tellement plus tanky du côté des Cloud9. C'est-à-dire que Shogat, c'est un pick qui à la fois tank énormément, a du CC et DPS et a du burst. En face, t'as Shen. Alors, Shen, c'est tout à fait correct en DPS, pas de soucis, même si t'as un petit peu moins de CC, t'as comme le backup qui est intéressant. Jungle à jungle, Jarvan est plus agressif, mais le Maokai a un zoning qui est monstrueux avec son ultimate. Mid lane, t'as un millénaire avec du CC et des dégâts de zone, l'autre qui est là vraiment pour jouer le clutch. Carriade, t'as deux des meilleurs carriades de game, pas de soucis là-dessus. Et au niveau du support, t'en as un qui crée le move et l'autre qui empêche les adversaires de faire du move. Ouais, c'est ça à peu près. Bon, on va voir si Akkadian va arriver à mettre du rythme dans ce début de game. Parce que les lanes sont quand même dominatrices. Hein. Bon, Shen, c'est pas une Riven, c'est pas un Talon, on est d'accord. Mais c'est un personnage qui a quand même beaucoup de dégâts, on l'a vu sur les games d'avant. Shogat n'a pas d'escape, avec un Jarvan, ça peut payer. Au niveau de la mid lane, Lucian apporte énormément de dégâts tout dans la partie. Et au bot side, bon, le bot side c'est peut-être la lane sur laquelle ça va être le plus dur d'arriver à ganker. Mais dans tous les cas, sur les solo lanes, pour Akkadian, il y a un petit boulevard, il va falloir s'en servir, puisqu'on l'a vu. Passer les 20 minutes de jeu, on arrivera sur le terrain des Cloud9. Donc, à EcoFox de mener cette game. C'est à EcoFox d'essayer d'être force de proposition, en effet. Et on leur souhaite, hein, pour le coup, tu vois, l'espèce de clutch de Froggen. D'ailleurs, hier, il attendait Froggen. Il a tenté face à une Syndra, d'ailleurs, ça s'est mal passé. Mais bon, il y avait un petit peu de retard dans la team, dans la globalité. Là, on a quand même un Ardent Sensor qui sera utile sur deux pics au minimum. Globalement, l'Ardent Sensor avec la mousson sur Janna, c'est efficace sur tout le monde parce que tout le monde met des auto-attaques du côté des Fox. En outre, les dégâts infligés par l'Ardent Sensor, le vol de vie, est sous forme de dégâts magiques. Mm-hmm. Ce qui ajoute au fait que cette draft fou physique, donc il y a le Shred Armor, le double Shred Armor, il y a les dégâts magiques de Kog'Maw, les dégâts magiques de Shen, les dégâts magiques de l'Ardent Sensor. Oh. Il existe une certaine mixité de dégâts potentiels. Elle existe. Elle existe, Gardoum, comme le Père Noël. Elle est là, cette mixité de dégâts. Oh, et ce Kog'Maw, oui, ce petit pas de claquette là. Aucun problème. Il est trop dégueulasse, ce skin. Ah, je trouve fantastique. Oh. J'ai joué toute l'après-midi. Je suis archi fan. Ah, oh, non. Il n'y aura pas du Kog Trinité Storm Raider. Je suis extrêmement déçu. Et attends, c'est un Kog'Maw barrière d'ailleurs. Oui. Oh, le baissage de Froc. Et c'est la Janna qui porte le heal. Ah bah. Alors là, pour le coup, c'est pas commun de voir ça. Non, la dernière fois, c'était quoi? C'était quand on a vu ça? Ça s'est vu récemment, il y a eu 2 ou 3 games du genre. C'est pas en effet le truc le plus commun. Mais c'est pour assurer la survie un petit peu du carry AD qui risque de se prendre un gros burst en effet. Et après, d'un autre côté, la barrière peut te sauver d'un festin, là où le heal te sauvera jamais d'un festin. C'est pas faux. C'est vrai que le Nom Nom à 1k9, on le connaît. Ouais, avec une barrière de 400 points EHP. Oui. C'est bien. Non, c'est pas mal. Faudra un petit pool d'HP quand même pour Kiss, mais peut y avoir de l'idée, effectivement. Et du coup, premier mêlée de raté déjà pour Kiss. Voilà, on commence bien la lane. Pas de problème, on push. Attention à Sneaky. Attention au barrage biorcanique. Voilà, on joue safe, l'œil du cyclone. Voilà, ce Kog'Maw, on sent le talent. Attention là, grab qui ne passera pas.
ce Pogmo à bait le grap pour utiliser la mana de Smoothie et justement parvenir lui-même à last hit et à ne plus avoir de pression pendant 18 secondes. C'est une intelligence de jeu de la part de Kiss qui est incroyable. Exactement, attention ce taunt, la Brandini. Brandini sur son chêne. Oui, messieurs dames, l'élème Vorpal, ça découpe Impact qui prend un peu la sauce. Après, bon, c'est un Shogat, hein, ça va régénérer avec le passif dans tous les cas. Et la vague de sbire, il va pouvoir l'attendre gentiment sous le bâtiment. Pendant ce temps-là, Acadian avec son Jarvan, double buff. On va jouer forcément entre les solo lanes, on en parlait. Petite phase d'invade et les Krug à se mettre sous la dent. Le top, bon, me semble compliqué à ganker dans la mesure où Impact est sous tour. Par contre, faire les Krug, ça devrait laisser le temps à la vague de repush vers Echo Fox et du coup peut-être mettre en place un gank. Oui, normalement ça devrait être plus tranquille puisque comme on le voit, hein, tu parlais de la wave justement qui arrive au niveau de la T2 top lane. Attention Smoothie ici, le jumpy de la part de Sneaky, on a fait un flash carrément là par le Smoothie, l'arrivée par derrière de Contrax. Qu'est-ce qui devrait survivre? Mais malheureusement ce n'est pas le cas de Gate Ely, c'est un first blood en faveur de Sneaky. C'est ça qu'on veut bien sûr, ça flash in, ça ignite et ça prend ce premier sang côté Cloud9. Premier sang qui sera porté par Sneaky d'ailleurs, meilleure répartition des golds possible et Kiss. Ok, il va pas se faire cancel son back, ça aurait été dramatique pour Skogmo. Et bien Contrax, voilà, la science du joueur qui arrive à mettre du rythme malgré un pick qui est pas vraiment fait pour ça. Ce flash route, bon, tout était parti d'une très bonne agression de Smoothie avec ce flash flash point chargé. C'est deux summoners de lâcher sur Kisegate qui avait son flash pourtant, gardons. Il avait le flash et il s'attendait pas du tout à l'arrivée de Contrax, hein, à mon avis. Ce qui lui a posé quelques problèmes ici. Très bien géré de la part des Cloud9 et pendant ce temps-là, Kiss qui revient avec une dague, Ellie. Ça, c'est la dague de la victoire. La dague qui lui donnera l'attaque spin nécessaire pour mettre un dernier coup de barrage bu arcanique. On va revoir ça d'ailleurs. Le jumping, la pique de slow, flashing de Smoothie. On sait qu'il attend le dernier moment pour caler le hook et qu'il va le mettre pile poil en fait, hein, lorsque le Maokai de Contrax sera en range. J'avais encore le flash d'ailleurs pour Contrax. On n'a pas voulu chercher Kiss qui était trop proche de la tour. C'est certainement un choix logique là-dessus et safe. Le tour coup, ça bon. Marche. En effet, le turn était bon. Commencer sur Kiss, finir sur Gate, ça a été un excellent choix pour le coup. Et ça va bien faire. Froggen, on prend la phase de trade ici face à Jensen. C'est bien. C'est comme ça qu'on joue en Lucian face à Syndra, face à Organa. C'est le dash in into esquive de la boule de l'adversaire. Et ensuite, t'as un temps pendant 3 secondes où l'adversaire ne peut rien faire globalement. Est-ce qu'on aura un flashing Q-spell Ignite de la part de Froggen? Into la mort, peut-être. Il y a une barrière quand même sur Jensen. Et, et on a le bro Ita sur le chat. On te salue, Ita. Itena. On espère que c'était bien Overwatch. Well, yes. On est très déçus de ne pas te voir ce soir pour le CLG TSM. Oh ouais, Ita, tu loupes vraiment. Alors ceci est un des meilleurs matchs qu'on va sans doute avoir sur cette ligue. Ça va être assez ouf. Et pour le coup, Froggen qui met une telle pression sur Amélie. Après voilà, il a un lane bully exprès Froggen. Son but c'était de gagner cette lane. Et il le fait pour l'instant. C'est-à-dire que le pari est respecté. Contrax n'a pas encore trouvé de gank. C'est bien. Mais attention, Yensen n'était pas niveau 6. Ouais, c'est vrai, attention là. On est devant la tour, côté Cloud9. Après, attention, c'est plutôt une position difficile, ça, pour Echo Fox. Un hook qui est si vite arrivé. On va rester sur une petite défensive. Le poke à la bombe, on essaie d'assurer un minimum de wave clear. Le last hit sous tour qui est toujours aussi compliqué pour Tristana. On prépare les Targons, ça va aller pour l'instant. Et on a une pickaxe, donc on devrait pouvoir arriver à last hit sans trop de galère. Il a tout eu. Il a tout eu, effectivement. Et au niveau de la mid-lane, voilà, Yensen t'en parlait. Dans une phase difficile, 15-16 de retard. C'est pas tous les jours qu'on voit Yensen autant en difficulté. Après voilà, c'est le pick Lucian, il y a le chapitre perdu maintenant, il y a des cookies donc il devrait être capable de pouvoir tenir la lane maintenant. Ouais, c'est-à-dire qu'il fait pas non plus le côté respect total avec Tabinija, mantelé du savant. Il part vraiment pour avoir un petit peu de mana et qui va être très important pour le wave clear de leur run. Donc c'est plutôt le refus du fight, en mode j'ai de la mana, je wave clear, je recule à chaque fois. Ce qui va être peut-être un des plus principaux intérêts ici de Jensen. Attention quand il y aura le niveau 6 parce que les ganks couplés avec Contrax pourraient être extrêmement dangereux pour Froggen. Smoothie et Sneaky qui commencent à décaler. Voilà, on a vu l'information, on casse la pink ward, on prend l'info, on enlève l'info à l'adversaire. Ouais, effectivement, attention Froggen, le dash in directement. Akadian qui arrive, les lumières perforantes. Non, on la linkera pas, seulement un double shot. Et Jensen qui va faire face, on va régénérer, TP en plantant en top lane pour Brandini. Petit taunt in avec cette timing de Bami là, elle commence à faire des dégâts qui sont pas négligeables, mine de rien. Ça joue cette rupture, comme tu le disais. C'est propre hein, ce qui sort Brandini pour l'instant. Mais Brandini, j'ai l'impression que c'est ce que je vais appeler un bon joueur de solo queue, dans le sens où il a une phase de lane qui est très bonne. Tu vois, il sait tout ce qui se passe sur la lane, tout, il arrive mécaniquement à le gérer. Et ce moment où t'es censé arriver dans la réflexion de team, à qu'est-ce qu'on fait les gars, à quel moment on fait ça, comment on engage, à toute cette synergie d'équipe où ça ne va plus. Et bon, bah ça a toujours été de toute façon le problème des teams un peu bas de tableau. C'est-à-dire que globalement, les mecs savent gérer leur early game, ils savent gérer la phase de lane, c'est tous de très bons joueurs solo queue. Mais après, il manque ce côté professionnel, team. Cette synergie finalement qui n'est pas présente. Akkadian sur son red buff qui passe niveau 6 par la même occasion. Ouais, il va faire peur Akkadian, un red buff cataclysme.
Attention, mais ce sera un Jarvan Cinderhulk une fois de plus, comme on a l'habitude de le voir. Et pendant ce temps au niveau de la mid-lane, Jensen qui se fait un peu body la tête là, le Thunderlord, c'est bien trouvé, mais il y a du lifesteal sur Froggen, donc c'est pas forcément un problème. Voilà, Jensen qui va trouver de la steal à l'auto-attaque. On reste sur la défensive, le map contrôle plutôt en faveur des EcoFox, c'est-à-dire au niveau de cette rivière bot. Il y a un dragon océan qui pourrait être très intéressant pour cette phase de lightning. Et phase de lane qui est super importante pour les deux côtés, dans la mesure où on a de l'hyper carry à droite et à gauche. Donc un petit peu plus de sustain. Écoute, c'est quand même un sacré atout. Histoire de vraiment faire durer la phase de lane pour le coup, mais c'est vrai que tout le monde en bénéficie. Ici, j'ai du mal à donner un avantage en termes de team. Les Fox sont censés avoir un petit peu plus de dégâts. Voilà, attention, le flash in. Et c'est Kiss qui est prêt à partir justement. L'emprise de la nature, malheureusement, ce Pugmo va avoir du mal à sortir le flash out comme de la part de Kiss. Et on Gate. A Stay Nuts qui apprend, mais c'est pas suffisant. Gate qui va mourir une fois encore. Gate est sacrifié pour son carry AD. Et le petit Stay United de la part de Brandini là sur Kiss qui lui a permis de survivre. Ouais, ça fait une belle différence, hein, mine de rien. Et Kiss, on le voit, barrière, plus heal, plus une Janna, plus un Stay United, un œil du cyclone, en veux-tu, en voilà. Il arrive à encaisser. Hein. Mais voilà, pas suffisant malheureusement, on n'arrivera pas à trouver des dégâts. Et Cloud9 qui mène toujours la danse au niveau des kills. Après au niveau des golds, c'est pas flagrant non plus, on a que 300 golds d'avance pour C9. Ce qui est assez léger mine de rien. Mais surtout, il y a une Tristana à 2-0. Et ça, c'est une Tristana qui va être ravie. On va pouvoir revenir certainement avec une BF. Et la lame d'infini va pop super tôt en fait. Ça, c'est une Tristana qui va faire tellement mal. Parce que quand on a juste le côté BF plus item statique généralement, c'est bien pour les prises de tour, mais globalement t'as pas toute la dé apportée par l'IE qui est vachement intéressante aussi en termes de ratio sur Tristana qui t'augmente avec la bombe etc, avec les auto-attaques. Du coup faut voir un petit peu comment tu gères ça, mais les deux stuffs sont tout à fait bons. Froggen qui va récupérer son blue buff. Et le but de Froggen, je pense, c'était pas uniquement juste d'être tranquille sur sa lane, mais vraiment de hardwill la lane. Et pour l'instant, bah voilà, Jensen il tient bien, chapitre perdu, l'établi ninja, j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui sont faits. Comme un gros respect du pic adverse, et comme c'est quasiment full AD aussi côté EcoFox, ouais. Bon, les tabis vont être plus réutilités ici. Ah bah le, effectivement, le tabi ninja, cœur gelé, rendu 1, c'est des items qui seront super cost efficient là pour Cloud9. Et il y a de quoi les porter en plus avec cette compo triple tank. Et Impact là qui souffre un peu hein, dans son 1v1, on le sent vraiment positionnement super défensif, on n'a pas vraiment de vision rivière, on sait pas où est Akkadian. Et Akkadian il fait toujours peur, hein, au niveau 7, cataclysme toujours disponible. Et il est un peu transparent quand même dans ce début de partie Akkadian. Ça c'est un gros problème pendant qu'on a un taunt qui part au top. Bon cancel de back là-dessus sans grande causalité. Ouais, ça a pas beaucoup d'impact malheureusement, et malgré le fait qu'il joue assez défensivement d'ailleurs Impact, c'est lui qui outfarm son opposant. C'est vrai. Ouais, c'est Impact, de toute façon c'est la force tranquille hein, sur les top laners. C'est gros sac un point de vie. Et Sneaky Smoothie qui décale sur cette mid lane, on cherche la vision. Plutôt en début de partie assez calme, hein, si ce n'est vraiment ce qui s'est passé sur ce bot side. Le mid ça se stall, maintenant Jensen a le tanking et l'AP nécessaire pour arriver à tenir sa lane. Attention tout de même la Smoothie, Akkadian qui va arriver, un kill tout de même, un pour un. Là-dessus, le smash qui est encore disponible, Akkadian, est-ce qu'on turn? Gate, on va l'appeler le victim. Le pauvre, il est tellement dans la mêlée sur cette phase de lane, il y a un rush hard dans sensor, hein. C'est-à-dire qu'il va trouver son utilité de Janna qui est de buffer ses alliés. Ouais, c'est ce qu'on attend de lui. Attention la Froggen qui veut turn, la Shockwave, ça passe. Froggen une bien performante, il y a du lifesteal encore, on kite, dash out, culling défensive, culling de zoning même. Et Jensen qui reprend l'ascendant sur le 1v1. Oui, ça va être compliqué maintenant pour Froggen parce que malheureusement, alors certes c'est mignon la BRK, ça te donne du sustain, mais en termes de dégâts face à des Tabi Ninja, tu fais pas grand chose. D'autant que Orianna, alors outre les Tabi Ninja, on rappelle que lorsque la boule est sur elle, il y a des stats défensifs supplémentaires aussi. Oui, ouais, effectivement, c'est l'un des millénaires les plus tanky du jeu. Et ce dragon dont on parlait, qui va être engagé par Cloud9, forcément on a le temps hein, après cette phase de savate au niveau de la bot lane, et bien l'espace s'ouvre, et en plus on a un smoothie qui se permet de chercher de catch là éventuellement. Donc pas de problème, on a vu Jensen domino mid, Sneaky Smoothie domino bot, Contrax à l'avantage sur Akkadian, malgré cet assist récupéré par Jarvan. Oula, son cataclysme, il y a un flash, et la barrière aussi d'ailleurs qui va être tâchée pour Jensen. Il y a eu un Stay United de la part de Brandini, alors le Stay United a été fait très tôt, dans l'idée le move est pas mauvais, c'est très synchro de la part des Fox, mais ça ne prenait pas en compte les capacités d'escape de Jensen ici qui ont été mises en valeur pour le coup. Plus de summoner spell, donc il va falloir absolument insister sur cette midlane, c'est tout l'intérêt, c'est à dire que voilà, ça y est, t'as tout fait claquer au midlaner adverse, maintenant c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment tu vas aller le détruire. Ouais c'est ça effectivement, et puis pas de summoner défensif face à Lucian Jarvan, ça reste difficile à tenir pour cette Orianna. Maintenant il faut aussi appuyer sur le bot side pour Akkadian puisqu'on a une Tristana qui a 3-0 et qui a son IE et on est qu'à 12 minutes de jeu hein, donc c'est quand même un bilan qui est assez lourd. En top lane c'est fini, on a atteint la masse critique de tanking des deux côtés, donc bon les ganks sont pas vraiment efficaces, bon voilà on arrive à trouver un taunt. Une phase de trade optimale pour Brandini
et il lui aura fallu une dizaine de secondes pour arriver à faire midlife sur un Cho'Gath, sachant qu'il y a encore le flash de dispo. Donc ouais, compliqué, compliqué. Par contre, attention, il y a une Sand Shockwave, c'est pas mal, on trouve les deux joueurs. Et Gates, Gates, c'est un vrai sac de frappe. Non, attention ici, le flash in de smooth, une fois encore. Le grab qui va toucher sur Kiss, le silence, l'emprise de la nature. On va pouvoir aller chercher ce pump-mo jusqu'au bout. Il est mort malgré la mousse. Pour l'instant, la Froggen qui est la pression. Sur Yensen, c'est pas mal. Froggen qui prend le kill, qui réussit à flasher. La culling sur contract. Akkadian qui va rentrer dans le fight. Ok, on va s'arrêter là-dessus. Un point là-dessus. Kiss sacrifié malgré la barrière de up. On va trade avec Yensen, on va pouvoir revoir cette action. Yensen qui a pas peur. Alors, en fait, c'est bien joué mécaniquement, mais tactiquement, c'est pas très au point. Parce que en fait le 2v2000 il est largement à l'avantage de Echo Fox. Parce que forcément bah voilà, regarde Froggen qui flanque avec son Ignite, il met énormément de dégâts, il y a le passif. Alors ils auraient peut-être dû laisser le kill à Kiss là-dessus. Bah, je sais pas s'il vaut mieux le laisser à Froggen qui a besoin de scale très tôt et de spike très tôt sous peine de pas être utile en tant que Lucian. Ou si tu laisses à Kiss pour essayer d'avoir ton spike de Kog'Maw qui va être monstrueux au niveau des fights un peu plus tôt. Du coup je reste, je sais pas, c'est dans ces moments-là où t'hésites un peu. Parce que c'est vrai qu'un Lucian, si c'est en retard, ça sert à rien. Là où à Kog'Maw, je trouve qu'il aura une utilité plus simple dans la game. Ouais, effectivement. Après, c'est vrai qu'un kill tôt sur un Cox, ça peut permettre d'avoir le timing de BRK. Je sais pas, faut voir. Faut voir. Bon, dans tous les cas, je pense que vu le niveau des joueurs, Froggen fera certainement une meilleure utilisation de ses 300 gold. Ça, c'est sûr. Et on arrive soit pour le coup, Sneaky qui va reprendre son topside. Pas encore deux ailes, mais les bottes de Berserker qui sont terminées. Donc déjà un bon montant de vitesse d'attaque, mine de rien. Et puis voilà, on va pouvoir récupérer cet XP et ces gold en solo. Très important sur un Tristana, beaucoup plus que sur d'autres ADC, hein, vu la problématique du passif pour augmenter la range. Et Smoothie qui va pouvoir avancer cette vision. Est-ce qu'on n'irait pas contester le héros de la faille côté Cloud9? Ils ont moyen d'aller choper normalement. T'as la Tristana qui est topside. Bon, il y a eu la force week qui a été prise par les Cloud9. Globalement, tout tourne bien pour l'instant pour cette équipe. Et c'est un peu le schéma de la game 1. C'est que chez les Cloud9 tout va bien, là où chez les Fox, bah, le niveau global est un peu moins bon. Beaucoup moins bon. Beaucoup moins bon, oui. Soyons. Disons-le, beaucoup moins bon. Même si pour l'instant, on a quand même 2 kills d'écart. Et l'écart au gold n'est pas si dramatique que ça. Sachant en plus que Cloud9 a pris la première tour de la game. Donc Echo Fox sort un bon early game, une fois de plus. Maintenant, on sait que l'early, ça va. Là où c'est plus compliqué, c'est les phases de teamfight, c'est les phases de regroupement. Donc, ça. Là, moi, j'aimerais voir vraiment c'est Echo Fox, c'est de maintenir cette pression, c'est de maintenir un petit peu de rythme, abuser en fait du Stay United. Parce que le problème, c'est que là, pour l'instant, Bradley a un gros avantage sur Impact avec son impact cross map. Mais dès qu'on va arriver dans une phase de teamfight, bah voilà, le Cho'Gath il fait peur déjà. Oh, la gloire du juste qui force le flash de la part de Brandini, c'est l'engage de la part de Akkadian, c'est pas mal du tout. Sur Yensen qui se prend à 4 kills, il se meuf Froggen, la barrière qui est mal placée, la barrière, c'est contrat qui arrive par derrière. Ça tient, Akkadian qui trouve un Q-spell, les shields qui s'enchaînent, Akkadian qui tombe pour Yensen, son deuxième kill là-dessus, voilà. Là on sent cette tendance inversée, les Cloud9 qui prennent l'avantage, on va les récupérer cette tour, contrat qui va tanker le bâtiment sans aucun problème. Impact qui avait fait le déplacement aussi. Et ça craque mid, ça craque jungle, ça craque topside, ça craque de partout côté Echo Fox. Ça craque de partout, et comment remonter ça? Eh bien je ne vois pour l'instant pas de solution, on a un Jarvan qui est en train de partir sur l'Iron Solari, Ellie, c'est peut-être l'objet salvateur de la game, pas du tout. Brandini pour l'instant là qui est obligé de prendre un petit peu de RM avec son Megatron, il a comme sa Sunfire. Bon bah malheureusement quand tu vois que Impact maintenant le prend 1v1, tu sais qu'il y a un problème au niveau de la top lane. C'est que la mid lane, bah, c'est assez limité malheureusement face à une arena. Je trouve de très bonnes shockwaves quand même, Insane. Hein. Et là, la culling, malheureusement. Et le mec s'arrête jamais, il sidestep dans l'arène de Jarvan. Hein. Sans pression. Ouais, toujours cette posture défensive, les Tabi Ninja hein, qui lui permettent d'arriver à faire ce genre de phase de jeu. Parce que le fait d'avoir de l'armure plus les HP virtuels générés par le bouclier, bah, ça te donne une énorme capacité de tanking, plus derrière un déguisement en tête qui lui apporte un petit peu d'HP. Là, ça va être très compliqué parce que le Jarvan n'a plus vraiment de burst vraiment intimidant vu que c'est un Jarvan défensif. Froggen, bah, on l'a vu, Froggen il donne tout mais il n'a pas les dégâts pour tomber d'Orianna. Kiss, 26 de retard seulement niveau 10 pour tomber d'Orianna, c'est pareil, ça va être très difficile. Et puis c'est pas une Janna ni un Shen qui vont arriver à le déloger. Sans parler du fait qu'on a une Tristana qui a 2500 gold d'avance sur le Kog. Donc, bref, pour Echo Fox, et coucou, j'ai un item Zelda 2 plus que toi. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin, on voit la T3 qui va tomber là normalement avec ce héros de la faille. Il y a 17 minutes de jeu, T3, normalement ça va être suivi. Elle a oui, Froggen sur le flanc droit. Est-ce qu'on veut tenter un petit barreau d'honneur? Il y a le TP pour Impact au cas où. Le héros de la faille qui gratte. Non mais ça va, il y a un infernal qui va être fait par Kiss en bas de la map pour l'instant là, t'en fais pas. J'espère que ça m'étonnerait pas de voir Impact arriver faire un gros nom nom et lui dire excuse-moi, c'était mon dragon ça.
Where okay. are my dragons? Waf, waf. C'est engagé. Waf, waf. Waf. Into waf. Oh là là, quel waf incroyable de la part de Kiss. Il arrive à inverser le dragon sans même sidestep les dégâts du monstre. C'est non, incroyable. Il n'y a pas besoin. Le talent du joueur. Waouh. Ah voilà, ah, on en parlait. Salut, c'est à moi. Bonjour, ça c'est mon dragon du coup, c'est voilà, c'est exactement, c'est Cole. Oh Ellie l'oracle. Non mais Echo Fox, ils sont... Purs. Ah, faut le dire, autant j'aime bien cette équipe, hein, autant... Faut savoir que ça fait maintenant 3 ans que je commente les NA, et ça fait 3 ans que je me bats pour qu'on mette en avant les NA au niveau qui est le leur. À savoir, un niveau de ouf. Puisque NA supérieur à EU. Mais les Echo Fox, putain les gars, il faut faire un effort quand même. C'est pas pire que les Digintas ou les NRG quoi. Ouais, ça va. Ouais, Digintas ou RNG, c'était une autre époque. C'était mauvais partout. C'était au moins une Mylène qui joue bien. C'était l'ère Kostienne quoi. C'était quelque chose de différent. C'est pas comparable, tu vois. Mais là, ça fait mal quand même hein, de voir Gates 0-3 avec une Janna Flash Heal. De voir le coq qui se fait subtiliser le dragon comme ça. Enfin. Là, qui ose faire le dragon alors qu'il sait très bien qu'il y a Impact qui est bonne. Ah ouais, non, Echo Fox, je trouve le grab une fois encore. Je trouve plus d'excuses, ça flash out, c'est United, Yensen en rouge. Yensen qui se replace, Sneaky qui est pas encore rentré en action. Voilà, Sneaky commence à bombarder sur Gate, le taunt in de Brandini, Impact qui arrive avec son nom qui va mettre tout le monde d'accord. Voilà, on recule, rotation bot pour Clan 9. Et là, écoute, c'est une tour qui ne sera pas défendue, Gardeau. Et ils ne peuvent pas la défendre malheureusement. Côté Cloud9, un dragon infernal, 5600 gold d'avance. Une meilleure compo pour les teamfights. À moins que les Echo Fox. À moins que, pardon, si les Fox avaient Snowball, ça aurait été bon. Mais compo Fox était Snowball or Die. Comme vous avez vu, ils n'ont pas Snowball. Voilà. Non, c'est ça. Problème réglé du coup. Non, mais il y a trop de choses qui vont pas chez Echo Fox. Enfin, un autre exemple, c'est. Il y a un Maokai qui est censé être là pour farmer et attendre le niveau 6 et être utile en teamfight face à un Jarvan. Bah, le Maokai qui gagne 3 fois plus que le Jarvan d'Akkadian. Bah non, mais chez Kofox, voilà. y a beaucoup de choses qui vont pas et je dirais 80% des joueurs. Bah, il y a Froggen. Ouais, c'est 4 joueurs sur 5. Mais c'est tout. C'est 1 joueur sur 10. Hein. C'est un effectif de 10 joueurs avec Kofox. Ils sont 10. Hein. Bah, Damonte est pas mauvais, mais c'est pas fou. Looper, on le voit plus. Grig, on en parle pas. Kiss, je sais pas, c'est niveau mash pour moi, les deux sont à peu près dans le même sac. Mash tiers. Gate est peut-être le plus mauvais support DNA. Brandini, il est bolt tiers. Donc ouais, non, c'est... Non. C'est un non. Et c'est un Ashor également qui va être engagé. Et regardez ce non-respect, il y a un carapateur en faveur d'Echo Fox, hein, mais que nenni. Oh bah c'est regardez-nous le faire. Regardez, on fait de l'Ashor. Ok. Là, Kaden est en train de penser très très fort à son chèque de fin de saison. Oui. Dire, je sors, je finis ce BO et je veux plus en entendre parler. Après, voilà, on sait qu'ils sont à la place de vacances. Après, Vitality, c'est pas la première fois qu'ils sont en vacances et ils sont toujours en LCS. Donc, globalement, les Fox, c'est un peu les Vitality DNA. Ouais, je sais pas, il y a plus de choses chez Vitality que chez Echo Fox quand même. Ils ont pas Froggen, Vitality. Ils ont pas Froggen, mais il y a une petite fanbase. C'est une équipe qui tactiquement fait des choses cool. Parce que là, le problème avec Ofox, c'est une association de 4 individus. Ça y est, l'engage à part des Ofox, Akkadian qui rentre dans la mêlée ici, mais qui prend beaucoup de dégâts. Malheureusement, c'est Contrax, prend un premier kill. Et à côté de ça, le Nom d'Impact qui viendra à bout de Brandini. On va aller dévorer du chien après. Qu'est-ce qui va mourir? Gate qui va se faire simplement détruire avec un jumping de Sneaky. On va essayer d'aller sur Froggen. Est-ce que Froggen peut survivre? Eh bien, non. Non. Pas du tout. À aucun moment, il pouvait survivre. Sneaky joue à Mario. Il jump. Pourtant, l'engage était bon. Hein. Game en moins de 22 minutes. Voilà, c'est ce que je disais. Echo Fox, c'est une somme de 4 individualités, dont une forte. Et ça s'arrête là. Là, au Cloud9, c'est 5 joueurs qui jouent ensemble depuis un moment maintenant, qui ont su trouver des synergies, qui ont travaillé des compositions d'équipe, qui ont travaillé le jeu de calling, qui jouent pas sur le kill pour le kill, qui connaissent leurs conditions de victoire. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. C'est d'un côté des joueurs pros, et de avec côté, de l'autre côté des Fox. C'est ça. Ouais. Ah, on sent le désappointement dans le regard des joueurs. C'est zut, les gars, on a perdu, on est en vacances. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Bah, on a parlé pendant le pré-show, hein. On s'attendait à un scénario comme ça. Cloud9 qui est en train de réfléchir pour les Worlds, qui sort une très belle saison. Enfin, ils ont l'un des junglers les plus prometteurs de la SNNA, ils ont l'un des supports les plus forts de la SNNA, ils ont l'un des midlaners les plus forts de la SNNA également.
Et en plus, leur seul défaut, c'était, enfin, leur seul gros défaut, on va dire, en dehors de Sneaky qui part un peu à l'ouest parfois, c'était la top lane qui pouvait être un petit peu faible quand c'était Ray qui jouait, et Impact qui avait du mal un peu sur les speed pushers. Et là, on revient dans une méta avec des tanks. Impact, il adore ça. Enfin, là, c'est le patch des Cloud9. C'est pour leur saison, franchement, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait vraiment rien à faire. Alors, Froggen qui sort quand même une très bonne phase de laning avec son Lucian. Mais c'est pareil, ça s'arrête là. Donc, bah, c'est encore un bilan qui est très, très, très moyen pour EcoFox. C'est une équipe qui décolle pas, hein, et ça fait déjà quelques temps pourtant qu'ils sont là. Enfin, c'est une équipe qui ont. Bon, ils bénéficient de l'expérience européenne avec Froggen. Ils bénéficient de l'expérience coréenne avec Looper. Ils ont Rick Fox qui est derrière, qui est un énorme joueur, enfin énorme ex-joueur NBA en NA. Enfin, en fait, ils ont tout, sauf bah, peut-être le savoir-faire. Sauf le savoir-faire, à mon avis, et c'est ce qui pose problème. Après, Rick Fox, dans une interview, le dit actuellement, il n'est pas dans l'idée, on va tout gagner tout de suite et tout. Et il est vraiment dans l'idée de monter un truc, de faire une émulsion qui va durer un petit peu longtemps, enfin une émulsion. Ah bah ça émulsionne sacrément bien, là pour le coup. C'est assez terrible parce que... Tu prends une pincée de gate, si tu soupçonnes avec du Brandini, bah, mec, j'ai ça... l'impression que Rick Fox, comme il vient de la NBA, il est déjà dans l'optique de la franchise et il gère sa team comme le côté franchise. On met de nouveaux joueurs et tout, tac, c'est pas grave, on a notre place, on est sécurisé, on est en vacances, là on est sur la place de vacances. Ok, c'est pas gênant, on fait ci, on fait ça. Bah ouais, mais du coup, bah tu joues pas pour gagner. C'est ça. C'est ça, et puis bah, le bilan, il est là, hein. C'est 7ème position, c'est 5-12 de record. 5-13 maintenant même. 5-13, ouais, effectivement, sachant que Froggen, ça fait tellement longtemps qu'il est sur la scène. Ah oh bah Froggen, c'est saison 1, saison 2 2011, saison... Saison 2. 2, ouais. Waouh. Ouais, ça... Enfin, c'est dur. Honnêtement, je trouve que c'est super dur pour lui, hein. Parce que le joueur est archi talentueux. Mais en plus, quand dans les interviews, il dit ouais, moi je m'amuse de jouer contre des pros et tout, ça m'amuse et tout. Il a l'air mais de kiffer sa life comme pas permis, Froggen. En mode je joue contre des pros et tout à haut niveau. Et au fond de lui, est-ce qu'il aimerait pas se dire les gars, je vais au Worlds quand même. Bah ouais, c'est ça, c'est les Froggen, gars, je vais aller fight Faker. Il y a un moment, Faker, je l'ai battu en 1v1. Ouais, quand est-ce qu'on le voit passer vraiment dans un cours des grands, quoi. Parce que oui, les stats sont pour lui, oui, il fait des choses qui sont super intéressantes, mais bah ouais, il est tout seul et ça fait un moment bah, depuis ses GU. Tu fais pas une team NA avec tous les joueurs bons qui sont dans des teams puantes, et tu fais un global comme ça, tu mets Rainover, Froggen, Piglet, tu peux trouver un top laner quelque part, je pense. Ah oui, tu peux faire des Looper, super teams. Looper, ouais. Il est là, bah, tu mets Looper, ouais, tu aussi, mets Looper, ouais. Et tu mets qui en support T'en trouves un autre. C'est vrai que ça, c'est pour le coup, c'est un choix assez cornélien. On va trouver ça. Parce que dans l'idée, les supports, qui est-ce qui est en support dans les teams bas de tableau, on va dire. Je crois qu'il n'y a pas grand chose. Bah, Adrian. Il y a Concon. Ah, mais il y a Adrian en vrai. Attends, Adrian, il est où maintenant? Il n'est pas chez les. Attends, vas-y, déplace le truc à gauche, la petite barre. Chez Dignitas. Ah, ouais, non, c'est Dignitas. Ah, ouais, non, mais Dignitas, Adrian. Non. Ouais, ça va être dur. Ah, non, non, non. Non, il n'y a pas de bon support de disponible. Et petite interview de Sneaky pour le coup. Cast on the day. I'm joined with Smoothie here on stage, and it's with Sneaky. Sorry, Sneaky. And Sneaky, talk to me a little bit about. Sorry about that. Talk to me a little bit about this series here in general. It looked almost like the Cloud9 of old, where you found a kill and then took a ton right afterwards. Yeah, I think we've been finding our stride a lot more. There's just something we've been doing in practice where we're talking about like actually contesting objectives, and that just creates a whole lot more fights that we were able to win because, you know, we're picking these team tank comps where like we just have too much to go through. Like they have, you know, Maokai, Jarvan, like stuff to really initiate and not get killed instantly. So it's been feeling a lot easier, yeah. So you've been a very versatile AD carry throughout your career, and does this team tank type team comp like let you carry even harder? Yeah, definitely, because there's just people in front of you to be soaking all the CC and damage, and it kind of like frees you up in fights if you're in the correct formation. Whereas, you know, if you're playing against assassins, like you have to play super far back or absolutely have your flash up ready to jump out of their, you know, kill target tool, like, you know, Zettelt and stuff. So it is definitely easier to play in the team tank comps. So talking a little bit about you as an AD carry in general, you had a deathless game in this one, and you've had a pretty great split so far. What do you think your chances are of being all NALCS AD carry, the number one AD carry in North America? Crowd agrees. Yeah, I mean, I hope I get voted for. I don't know. I mean, I think I've been improving a lot this split. I think me and Smithy were playing really well like last split as well, and then it's kind of translated over here. We did have a few slumps this split that, you know, we're not very proud of, but we are glad to be improving on it. So yeah, I hope I can prove myself by the end of playoffs. So talking about playoffs, you guys have had a mixed bag of results.
sometimes winning the championship as the banners are hang up there, but sometimes kind of falling short. What have you guys done this split to make sure that you guys have another banner up there? You know, this is always just like an extra push of drive to, you know, go the extra mile because, you know, Worlds is coming up. It's just summer split and we're all motivated to do the best we can. So I don't know if there's anything specific that I can really point out right now, but I know we've been all trying really hard to put another banner up on the wall. Well, best of luck against Dignitas in your playoff game. Thank you very much, Sneaky, for this interview. For more, let's go ahead and send it on over to the analyst desk. Et comme d'habitude, un Sneaky tout sourire à suivre cette interview. Et petite maladresse de Digong, mais bon, ça arrive forcément. Bon, avec Lone, en tout cas, qui se rassure, hein, qui a l'air d'être chaud maintenant. Bah, ça leur fait du bien, en effet. Comme il a dit, ils ont pas mal progressé, justement. Ils avaient eu quelques moments qui allaient pas très bien. Ils ont réussi à rattraper ces moments-là, à progresser. Par contre, on lui a demandé qui était le meilleur carry ADNA. Il a pas répondu directement. Il fait, ouais, j'ai progressé et tout. Mais il a pas donné de nom. C'est-à-dire qu'il a pas les balls de dire moi, parce qu'il sait que c'est faux. Ouais. Mais en même temps, il va pas donner un autre nom de joueur parce qu'il se dirait, merde. Bah, il serait obligé de dire double lift et il sait qu'il va se faire chier dessus après pendant 3 semaines. C'est donc, ça, ouais, non, clairement. Je crois qu'on est lien pour Sneaky. Bon. Backlonai qui confirme ce 2-0. Nous, on va cesser avec une petite pub et on enchaîne sur le match de la semaine. CLG face à TSM en BO3 dans quelques minutes. A tout de suite sur Rick Gaming.